Allez, ce que je vous propose, chers collègues, c'est qu'on puisse démarrer cette séance. Alors, on a trouvé une implantation un peu particulière, mais sincèrement, je trouvais que ça devenait pénible de se transporter à Georges Brassens. Autant le conseil communautaire, on est 70, bon, ça, la capacité à peu près, mais là, à 33, on était un peu éparses. Alors on a trouvé ce système-là, j'espère que ça ne sera que provisoire et qu'on sortira le plus vite possible de cette obligation et réglementaire suite à la pandémie, ce qu'on peut en douter d'ailleurs un peu, malheureusement. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un peu froid, mais il y a une fenêtre ouverte là-bas d'ailleurs. Ouais, ça ne m'étonne pas, il y a une fenêtre ouverte, d'accord. Voilà, bien. Aujourd'hui, donc, je vais faire l'appel, hein. C'est plus simple. Donc moi-même, Laurette Douillet-Pomaré, Laurent Barruyer, Ingrid Richoux, Jean-Claude Basté, Florence Croze, Paul Barbary, Annie Fournier, Jean-Louis Gaillard, Maxime Chabou, Xavier Aubert, Christiane Chérard. Donc Mathieu Aiglen est excusé, il a donné procuration à Benjamin Gaillard, Bruno Faure, Nathalie Raz, Benjamin Gaillard, Alexandra Denoite, Valina Faure, Léa Cornu, Jérôme Baudin, Justine Pariot a donné procuration à Christiane Chérard, Omar Guérouche a donné procuration à Laurent Barruyer, Caroline Riffaut, Claude Gandini, Pierre Guichard, Michel Victory a donné procuration à Pierre Guichard, Étienne Guillermaz, Liliane Burgender, Geoffrey Maréchal, Laurent Dandre, Pascal Diaz, Maria Pontier a donné procuration à Pascal Diaz et Jean-Claude Carrel. Il est là, Jean-Claude Carrel ? Ah, pardon, très bien. Je vous propose d'adopter le procès-verbal du dernier conseil qui a eu le 17 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès-verbal, même s'il est un peu lointain ? S'il n'y en a pas et s'il retranscrit bien effectivement nos débats, je vous propose de l'adopter. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous propose de désigner Léa Cornu comme secrétaire de séance, si elle en est toujours d'accord, pas de problème. Et avant de venir donc à l'ordre du jour, je souhaiterais quand même qu'on rende un hommage municipal à Jean-François Lanas, qui nous a quittés début février, brutalement, ce directeur de l'école élémentaire des Huettes, qui depuis de nombreuses années a fait un travail remarquable d'abord, et puis je tiens vraiment à saluer sa mémoire parce que il a eu des relations privilégiées avec notre commune pendant très nombreuses années, avec les élus, avec les services. Il a été d'une main de maître celui qui a positivé son école de façon que celle-ci grandisse, et elle a bien grandi. La preuve en est, c'est qu'on amènera dans un futur très proche des travaux forts d'amélioration. Ça a été un grand sportif, il a été très impliqué dans le monde associatif. Ça a été un homme de conviction, passionné, ça c'est certain, par son métier, très disponible à l'écoute, avec un fort caractère, mais quelqu'un qui, avec lequel il faisait vraiment plaisir à échanger, quoi. On a tous été touchés, évidemment, par sa disparition, et je voudrais qu'au nom de la municipalité, à nouveau, on adresse nos sincères condoléances à sa famille. Et puis je crois que notre commune doit se souvenir de l'engagement des hommes qui ont marqué le service public, se mettre au service. Donc il faudra qu'on ait une réflexion peut-être prochainement sur le nom de Jean-François Lanas, si vous en êtes d'accord. Je voudrais aussi adresser aujourd'hui, parce que je l'ai eu au téléphone, tout le soutien de la ville de Tournon auprès de madame la proviseure du lycée Gabriel Faure, qui sont touchés encore une fois par un malheur aujourd'hui avec le décès d'un jeune lycéen qui était en terminale, après de nombreux problèmes sur le lycée. Rappelez-vous le décès d'un prof, les gros problèmes liés notamment à cette période difficile pour nos jeunes pendant la pandémie, ces périodes d'isolement, ces périodes où on ne peut pas faire suffisamment de sport et se dépenser. Enfin, voilà. Je voudrais vraiment les soutenir et leur dire que les élus, bien sûr, sont à leur disposition parce qu'ils vont rentrer dans une période où, évidemment, les psychologues devront agir. Voilà. Je vous propose, sans vous les lire, vous rappeler que vous avez eu sur vos tablettes, alors, et je m'en excuse avec
les actes que j'ai pris dans le cadre des délégations du conseil municipal que vous m'avez délégué, qui concernent la vie citoyenne, hein, beaucoup effectivement de mise à disposition de parcelles de terrain cadastrés dans le cadre des jardins familiaux, mise à disposition de locaux, un tas d'autres décisions effectivement liées aux services techniques, au sport, à la vie associative et aux finances. Si vous en êtes d'accord, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, hein, et notamment lié aux affaires juridiques. Sur le premier point à l'ordre du jour, aujourd'hui, je suis heureux, comme vous, je l'espère, très heureux d'installer Claude Gandini, qui est ici. Alors, il peut peut-être se lever pour que tout le monde le reconnaisse, parce que tout le monde, m'étonnerait que tout le monde ne le connaisse pas, mais voilà. Claude Gandini, donc un petit jeune qui devient nouveau conseiller municipal, en remplacement de Michel Dizy, qui a démissionné pour raisons personnelles. Michel Dizy, que je tiens vraiment à remercier du travail accompli au sein de la municipalité pendant plus de 7 ans. Il était du voyage à partir de 2014 et il a été très présent, notamment dans le cadre des commissions sécurité, où il a toujours répondu présent pour s'investir. Donc Claude, on va prendre acte tout simplement de ton installation en qualité de conseiller municipal, puisque tu étais le suivant dans l'ordre du tableau, hein, c'est comme ça que ça se passe en démocratie. Je vais dire que Claude, du coup, va être désigné dans les commissions, alors une en remplacement de M. Dizy aux affaires scolaires, une autre en remplacement de Mme Parillo, qui a souhaité, elle, intégrer la commission des travaux. Donc, M. Dizy était aux travaux, c'est Mme Parillo qui intègre les travaux, ce qui fait que Claude Gandini intégrera donc les affaires scolaires et a souhaité sport et vie associative. Voilà les deux commissions sur lesquelles il va s'investir. Donc, je vous propose tout simplement aujourd'hui de désigner Claude aux affaires scolaires et à la vie associative et Justine Parillo aux travaux. Je ne pense pas que ça pose problème. Pas de vote contre, pas d'abstention. En ce qui concerne le syndicat d'énergie de l'Ardèche, le SDE 07, où Michel Dizy était délégué suppléant, je vous propose de désigner en son remplacement Claude Gandini comme suppléant pour représenter la commune de Tournon. Et je vous rappelle que siègent donc Jean-Louis Gaillard, Laurette Gouillet-Pomaré, Ingrid Richoux, Michel Dizy, donc remplacé par Claude Gandini, Pierre Guichard et Jean-Claude Carrel également. Voilà pour le SDE 07. Pas de problème, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. En ce qui concerne le comité d'éthique et de la vidéoprotection, il faut que je fasse une petite modification puisque Claude Gandini avait été désigné comme administré. Donc je vous propose, puisqu'il est conseiller municipal, de retirer le poste d'administré à Claude Gandini et je vous propose la candidature de Mme Catherine Laurent à sa place, ancienne conseillère municipale, qui a accepté bien sûr, de la désigner pour siéger en qualité d'administré au comité d'éthique de la vidéoprotection. Et également de modifier dans l'ordonnancement des membres le chef d'établissement du collège Marie Curie, qui est depuis maintenant une saison, et M. Amani, qui succède à M. Hunkler, qui avait été désigné lui-même pour être membre du comité d'éthique. Voilà. Pardon, j'ai pas vu. Ah, excuse-moi, oui, j'ai pas vu ta main. Oui. Allez-y, on va vous faire passer un micro. Mettez une serviette, oui. Oui, simplement sur cette remarque, sur cette délibération sur laquelle on votera, simplement concernant le choix des administrés qui, je pense, dans cette commission a quand même vocation à avoir une certaine neutralité et distance peut-être par rapport à l'équipe municipale. En l'occurrence, le choix initial avait été fait d'y placer Claude Gandini en cette qualité initialement. Donc, Claude présent sur la liste majoritaire aux élections de 2020 et choix renouvelé cette fois-ci avec Catherine Laurent. Nous, on suggère à l'avenir de peut-être ouvrir ces désignations à des candidatures citoyens. Alors, de la ville de Tournon. On peut toujours faire un tirage au sort, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que là, Non, mais vous verrez, Catherine Laurent, c'est quelqu'un de très intègre, très neutre, qui tiendra bien son rôle. Je n'en doute pas, mais c'est la question de la distance par rapport aux choix qui sont opérés, etc. J'entends la remarque. Voilà.
Ok, on regardera ça de plus près, voire même à élargir éventuellement les personnels, ce qu'on appelle les personnalités qualifiées. D'accord. Donc je note que vous allez voter la délibération. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Je vous propose maintenant, après une longue réflexion bien sûr, et puis surtout en s'étant rapproché de la famille, de procéder à la dénomination d'une salle municipale dans ces lieux mêmes qui permettra, j'allais dire, de proposer le nom de Michel Riffaut. Michel Riffaut, vous le savez, qui a été élu municipal de 2014 à 2019. À la fin de la dernière année du mandat, Michel Riffaut a été pleinement engagé au début comme conseiller municipal délégué aux finances et puis rapidement en remplacement de Bruno Faure comme adjoint aux finances. Nous avons souhaité lui rendre un hommage appuyé. Il n'est pas courant de voir quelqu'un aussi impliqué, aussi féru de l'action qu'il voulait mener, un passionné d'histoire en plus, un garçon avec lequel on avait effectivement, qu'on soit d'ailleurs de quelque tendance que ce soit, qu'on avait plaisir à rencontrer. Donc nous avons fait une proposition à la famille de Michel Riffaut pour éventuellement nommer la salle mezzanine, la petite salle qui est au-dessous, salle auquel il a participé notamment sur de longues soirées sur les préparations budgétaires, salle qui servait aussi à la commission des finances très souvent. Et nous avons souhaité pouvoir mettre en place l'espace Michel Riffaut, élu aux finances de 2014 à 2019. Madame Riffaut nous a répondu en disant que suite à la proposition de dénomination de la salle mezzanine située à l'hôtel de ville, l'espace Michel Riffaut, je fais suite à votre courrier du 19 janvier dernier et vous confirme mon accord ainsi que celui de mes enfants quant à la démarche. Nous en sommes fiers. Son sourire ne peut s'éteindre. Michel portait des valeurs universelles tellement partagées par tous, y compris les personnes qu'il a côtoyées à la mairie. Vous lui avez donné la chance de défendre ce qu'il restera, un citoyen impliqué, passionné et un humaniste réaliste. Merci à vous de prolonger son témoignage de vie et d'engagement. Bien cordialement, Christine Riffaut. Voilà la proposition que je vous fais, c'est de nommer la salle de mezzanine située à l'hôtel de ville, espace Michel Riffaut, élu aux finances 2014-2019. Nous aurons l'occasion de mettre en place une plaque, de la dévoiler ensemble sur une date qu'il restera à définir, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a là-dessus un point de précision? Oui, au fond, on va vous donner un micro. On vous entend. Oui. Alors, évidemment qu'il y a énormément de gens qui mériteraient et qui mériteront d'avoir un lieu de mémoire, ça va de soi. On va parler de rue tout à l'heure. On peut imaginer qu'effectivement, on ait une réflexion poussée après concertation. Là, on est sur un caractère très différent, quoi. Je m'étais engagé, je l'ai pris personnellement, cette décision, et je l'ai proposé aux élus à un moment donné. Je l'ai proposé à la famille, voici maintenant presque pas loin d'une année, pour dire il faut que sa mémoire ne s'efface pas parce que ça s'est passé pendant le mandat. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un côté sentimental sur lequel on a du mal à s'échapper. Enfin, j'ai du mal à ne plus voir Michel Riffaut à mes côtés, je vous le dis très très franchement. Quoi. Mais j'entends la remarque, bien évidemment, que c'est pas le fait du roi de vouloir débaptiser les rues, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est aussi faire en sorte que on ait au moins
quelque part la reconnaissance de quelqu'un qui allait bien au-delà de son pour ceux qui l'ont vraiment connu. Hein, c'était pas un conseiller municipal ordinaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis pas qu'il y a des gens bien et des gens pas bien. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais celui-ci, il avait en lui quelque chose de plus, quoi. Voilà. Je voudrais dire un mot, s'il vous plaît. Je dirais à la liste de Pascal Diaz que je suis très choqué de sa réaction. C'est pas souvent que je prends la parole. Vous connaissez tous l'amitié que j'avais pour Michel Rifaut. Je suis très choqué de votre attitude. Je vous demande quand même de bien réfléchir avant de vous abstenir. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a une autre intervention? S'il n'y en a pas, et je suppose que Caroline ne participera pas au vote, bien sûr, s'il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote pour la nomination de la salle Espace Michel Rifaut. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, 3 abstentions. Merci. Bien. Ah, pardon, Pierre Guichard. Oui, je voulais attendre qu'on vote la délibération. Ouvrez le micro. Éteignez jamais le micro. Allô? C'est bon, il fonctionne. Oui, je voulais attendre qu'on vote la délibération, parce que je ne voulais pas que mon intervention soit associée directement à cette délibération à laquelle, en votant pour, on s'associe. Effectivement, Michel Rifaut était très, très présent, en tout cas dans notre ville, et malgré tous les désaccords politiques que moi et mes camarades on pouvait avoir avec lui, effectivement, je pense qu'il fait partie de ceux, en tout cas, effectivement, qui méritent un hommage. Oui, après, je rejoins en partie, effectivement, Pascal Diaz sur la question de la concertation autour des dénominations, effectivement, et j'entends l'argumentation de l'affect, hein, presque, sur ce cas-là, et qui est bien normal. Néanmoins, effectivement, sur la concertation et sur tout ce qui se prendra comme décision de ce type à l'avenir, on entend également aussi que d'être concerté dans les choix, dans les orientations, on va le dire comme ça, qui sont prises, puisque vous avez, avec la majorité, décidé à juste titre de rendre hommage, par exemple, à un certain nombre de femmes méritantes et à reconnaître dans l'histoire de notre pays et plus largement du monde et tous les apports qui ont été faits. Donc voilà, on entend par exemple aussi que les choix qui soient faits aillent vers peut-être plus de féminisation, plus de diversification aussi, et puissent aussi davantage représenter notre époque. Mais je différencie bien sûr cette intervention de ce qu'il y a de très particulier, mais en tout cas c'était l'occasion de le dire. Ok, non mais vous me connaissez, je sais pas, j'ai pas tendance à quand même à imposer des choses et à décider tout seul dans mon coin. Là on est vraiment sur un cas très très particulier. Voilà, c'est ce que je voudrais bien vous faire ressentir. Mais merci pour l'intervention. Ce que je vous propose, c'est passer au point numéro 6, qui est le rapport d'orientation budgétaire pour le 2021. Alors, je vais laisser la parole à Laurent. Hein. Alors, il y a eu effectivement une commission des finances où chacun a pu s'exprimer. D'ailleurs, on vous a envoyé le compte-rendu pour tenir compte des interventions qui avaient été faites, hein, afin de les retranscrire ou d'y répondre. Ce rapport d'orientation budgétaire est un rapport de début de mandat, on va le dire comme ça, sur une année un petit peu de transition, avec toutes les difficultés qu'il y a eu d'abord de se mettre en place, hein, avec ce décalage des élections, avec aussi cette période Covid qui s'éternise, qui nous oblige à, malheureusement, à ne pas pouvoir se réunir aussi souvent qu'on le souhaiterait. Malgré tout, heureusement, la visio est là quand même pour supplanter une partie et permettre l'échange, c'est ce qui s'est passé lors de la dernière commission des finances, pour expliquer qu'effectivement, ce rapport d'orientation budgétaire, qui est un peu, j'allais dire, sur une année charnière, va préfigurer ce qui sera demain l'engagement du mandat annuellement, ce qui sera le pluriannuel d'investissement sur le mandat, qui sera surtout aussi les grandes orientations qu'on voudra donner, y compris sur les grandes orientations du territoire de l'agglomération, puisque la ville-centre doit avoir une réflexion aussi sur le devenir de son grand territoire. Donc ce rapport, sincèrement, il va pas renverser la table, hein, Laurent, on peut dire ça comme ça. Il va donner effectivement des résultats liés au compte administratif qui est à peu près ficelé, pour lequel on aura également l'occasion de reparler prochainement. Il va donner effectivement une petite avancée, une petite vision, mais va surtout être
très, comment dire, très humble. C'est-à-dire qu'on a besoin de continuer à consolider notre CAF, on a besoin de continuer à le désendettement que nous avons entrepris voici maintenant 3 ou 4 ans. On a besoin de se donner aussi des perspectives. Et en voulant volontairement ne pas partir à 100 à l'heure, et surtout pas dans n'importe quel domaine, et d'autant plus que plus de la moitié du conseil municipal a été renouvelé, je pense que la concertation, évidemment, majoritaire, bien sûr, et avec les oppositions, est importante et qu'elle devra préfigurer pour la préparation du budget prochain, mais surtout pour les années à venir. Mais surtout, il est intéressant, et je le dis aux nouveaux élus qui n'ont peut-être pas une approche. Laurent a fait beaucoup de pédagogie et vraiment je l'en remercie sur la commission des finances pour expliquer très tranquillement comment se lie finalement une orientation budgétaire, même si là on n'est pas dans le budget encore, hein, comment se lie une orientation budgétaire, comment on peut la traduire vulgairement, tout simplement. En plus, elle sera imagée ce soir avec des projections de slides qui vont assez rapidement vous donner une lecture rapide de ce qui vous a été évoqué par Laurent. Laurent, je te laisse la parole. Alors, c'est bon, vous m'entendez là ? Alors du coup, oui, je vous rassure. Tout le monde le voit d'abord, là. On ne vous gêne pas là ? Non ? Non, alors, on va venir. Ouais, ça sera moins long que la commission des finances. Parce que c'est vrai que l'autre jour, on a quand même passé 2 heures à décortiquer ce rapport d'orientation budgétaire, mais je pense que c'était, enfin, à mon avis, nécessaire, même si en vision, c'est quand même un exercice qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, on a fait le choix justement de reprendre un peu ce rapport d'orientation budgétaire sous la forme de quelques slides un peu plus imagés et synthétiques. Donc, je crois qu'on était une bonne vingtaine à la commission des finances. Alors désolé pour ceux qui n'étaient pas, mais pour une fois, on ne va pas revenir dans le détail. Vous avez le rapport qui fait une trentaine de pages, là on a une quinzaine de slides à vous projeter. Le maire a expliqué l'objectif de ce rapport, c'est aussi d'engager un débat d'orientation budgétaire. Et je crois que ce soir, c'est l'occasion que les uns et les autres, vous puissiez réagir, poser des questions, hein, mais il est vraiment là pour échanger. On avait expliqué, alors je sais pas, vous voulez que je fasse défiler, vous voulez ? Non ? Allez, j'ai une assistante, c'est merveilleux. Ouais, donc simplement de reprendre un peu ce qu'on disait à l'instant, les objectifs du ROV, donc pour discuter des orientations, vraiment informer le Conseil, mais aussi la population, hein, puisque évidemment que ce rapport, il est à la disposition de tous nos concitoyens, donc informer sur l'évolution de la situation financière de la ville. Et puis, on l'avait dit en commission, ce rapport, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'y met pas ce qu'on veut, donc sur la forme peut-être, mais en tous les cas, sur le fond, on doit vraiment inscrire un certain nombre de critères, donc sur les engagements pluriannuels, la gestion de la dette, on verra tout à l'heure au niveau de l'endettement, les effectifs au niveau du personnel, des charges de personnel. Voilà, donc on va passer en revue les principaux indicateurs du ROV. Alors, juste pour commencer, on va vous mettre une diapo. Vous ayez en tête toujours les grands chiffres d'un budget, le budget de la ville de Tournon, c'est quoi ? Donc là, on parle d'un budget réalisé, parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à regarder le budget qu'on avait voté en début d'exercice. Entre le budget qu'on vote et le budget qu'on réalise réellement, c'est pas tout à fait la même chose. On réalise pas 100% de son budget. Là, on parle d'un budget réalisé. Donc c'est plutôt le compte administratif, hein, qu'on votera dans quelques semaines. Donc quand vous regardez le budget principal, vous avez à peu près ça en tête, 11,6 millions de dépenses sur le budget principal, 11,7 millions de recettes, c'est toujours le budget de fonctionnement qu'on essaye d'équilibrer quand même. Hein. En investissement, c'est toujours différent parce qu'il y a des recettes et dépenses qui sont décalées dans le temps. Et sur le budget principal, sur 2020, 5 millions de dépenses, 3,9 millions de recettes, on verra tout à l'heure en détail. Donc vous voyez, sur le budget principal de la ville, 16,7 millions donc de budget. Et puis vous savez qu'on a deux budgets annexes, celui du parc des parcs de stationnement payants pour environ 300 000 euros quand on ajoute le fonctionnement et les investissements, et puis le budget annexe du ciné-théâtre pour environ 500 000 euros de fonctionnement et
Donc là, on a eu plus de recettes que de dépenses en investissement, mais voilà, quelques investissements également sur le bâtiment du ciné-théâtre. Donc quand on ajoute tous ces budgets, en fonctionnement, on est aux alentours de 12,3 millions en dépenses, 12,5 millions en recettes, et à peu près 5 millions de dépenses sur l'ensemble de ces budgets. Donc ayez ces chiffres en tête, hein, donc le budget de la ville de Tournon, c'est 17 millions environ. Alors on va rentrer un peu dans le détail, là c'était les grandes masses. Alors, ce qui est important à faire, comme dans toute une entreprise, hein, quand on arrête une comptabilité... Ouais, dans une entreprise, on arrête les comptes de l'année, il y a un résultat, bah, c'est pareil au niveau de la mairie, mais il y a aussi un budget, il ne s'arrête jamais, il y a toujours ce qui s'est passé les années précédentes, donc il y a toujours des résultats antérieurs ou des reports quand on parle des investissements. Donc si on regarde l'exercice 2020, ce qu'on pourrait plutôt appeler le compte administratif, mais qui reste prévisionnel puisqu'il n'est pas encore voté, on a eu sur 2020 11 611 000 de dépenses en fonctionnement, pour 11,7 millions de recettes. Donc c'est vrai que le résultat de l'exercice, on pourrait dire il est que de 89 000 euros, on l'avait un peu expliqué en commission des finances, il est, quand on rentre un peu dans le détail, il y a certaines dépenses qui ont été impactées par plusieurs choses. Il y a eu au cours de l'année 2020 les reports des résultats des budgets annexes de l'eau et l'assainissement qui sont venus un petit peu... biaiser notre budget de fonctionnement l'année dernière. Et puis aussi, j'allais dire surtout aussi, l'impact de la crise sanitaire du Covid en 2020, puisque on a regardé d'un peu plus près ce qu'elle coûtait l'impact de la crise, c'est de l'ordre de 400 000 euros. Là, je vous ai expliqué en commission des finances, parce qu'il y a eu des dépenses supplémentaires. Il y a eu quelques dépenses en moins aussi, hein, puisqu'on a fermé les bâtiments, enfin bon, il y a eu des dépenses en moins, qui a eu quand même des dépenses supplémentaires, notamment des renforts de personnel, que ce soit dans les écoles, que ce soit même au château-musée cet été. Il y a eu des achats de masques, il y a eu des achats de différents produits liés à la crise. Des recettes en moins, ben, rappelez-vous, on n'a pas fait payer les droits de terrasse aux commerçants en 2020. On a eu des recettes liées à la taxe d'aménagement, alors, c'est indirect, mais quand même, qui sont liées sur les permis de construire. Ben, les permis de construire ont été stoppés pendant quelques temps, donc tout s'est décalé. Et donc on a eu beaucoup de recettes en moins par rapport à la taxe d'aménagement. Bref, quand on fait les plus et les moins, c'est de l'ordre de 400 000 euros. Donc c'est pas neutre, hein, quand on parle quand même. Sur un budget d'un peu plus de 11 millions. Donc 89 000 euros, on arrive quand même à équilibrer notre fonctionnement. Et puis on a des résultats antérieurs reportés pour 2 274 000. Donc quand on ajoute nos résultats de l'année et les résultats antérieurs, en fonctionnement, on a un résultat affecté de 2 364 000. On verra ce qu'on en fait de ce résultat. Sur l'investissement, sur l'année 2020, 5 100 000 de dépenses, 3 919 000 de recettes. Alors dans les dépenses, on a les dépenses nouvelles d'investissement, de travaux, etc. Mais on a aussi le remboursement du capital des emprunts, hein, dans ces 5 millions. Donc, c'est pas choquant de voir la section d'investissement avec un solde négatif, parce que là, encore une fois, il y a souvent un décalage entre les recettes et les dépenses, des recettes qui n'arrivent pas forcément immédiatement, avec les subventions, les remboursements de TVA. Donc, un résultat de l'exercice de moins 1 234 000, des résultats antérieurs reportés de moins 779 000. Mais par contre, on a aussi dans la section d'investissement ce qu'on appelle les restes à réaliser. Ça, ce sont des dépenses ou des recettes qui ont été engagées, mandatées. Donc, on sait qu'elles sont, elles sont inscrites dans le budget. Et on voit que les restes à réaliser sur l'exercice 2020 sont importants, puisqu'ils s'élèvent à 1 635 000. Je vous rappelle simplement qu'on avait effectivement souscrit notamment un crédit relais de 800 000 euros, justement pour compenser les recettes qui n'étaient pas là au niveau des subventions. Et donc les 800 000 euros sont là-dedans, hein, sont dans les 2,3 millions. Donc ça peut paraître important, les 1,6 millions, mais il va falloir qu'on fasse attention, puisque ce crédit relais, l'idée c'est de le rembourser immédiatement dès qu'on aura touché ses recettes, c'est-à-dire à la fin
de l'exercice. Donc on va le mettre de côté. Voilà. Donc quand on ajoute les résultats propres de l'exercice, les résultats antérieurs et les restes à réaliser, on arrive à un résultat de moins 377. Donc on le fera au moment du vote du budget. On va prendre notre résultat du fonctionnement et déjà on va en prendre 377 000 euros pour équilibrer notre section d'investissement. Et il nous restera, pour démarrer l'année, nos 2,3 millions moins les 377 000, il nous restera 1 986 de fonctionnement pour affecter à des dépenses nouvelles sur l'exercice 2021. Ça va à peu près, hein ? C'est clair ? L'articulation entre le fonctionnement et l'investissement. S'il y a des questions, vous levez la main, on s'arrête. Hein ? On va continuer. Hein ? Ce qui est toujours intéressant aussi, c'est un peu imagé, c'est de dire, mais finalement, donc là je retrouve mon budget de fonctionnement, et on se dit tout à l'heure, dans mes 11 millions, finalement, qu'est-ce qu'il y a ? 11 millions de dépenses réelles. Là, un camembert, ça parle, hein, plus que des tableaux qu'on avait pu décortiquer dans le rapport. Les charges personnelles, ben 46%, parce que 47%, on en reparlera tout à l'heure. Les charges de gestion, les charges, on va plutôt partir en haut, là, les charges à caractère général, 20%. Là-dedans, vous avez, c'est ce qu'on appelle, on appellerait un peu tout ce qui est frais généraux dans une entreprise, tout ce qui est fourniture administrative, fourniture scolaire, les fuites, l'entretien de nos bâtiments. Donc, voilà, 20% de notre budget. Alors, il faut savoir que ces charges à caractère général ont diminué de 9,5% quand même en 2020. Bah, parce qu'on a quand même eu des charges en moins dans le fonctionnement de bâtiments, notamment, parce que des bâtiments fermés, bah, oui, on ne les chauffe pas, on ne les éclaire pas. Voilà, donc 20% de charges à caractère général. Si je prends les plus gros postes, les charges de gestion courante, 16,79%. Là, on va retrouver tout ce qui est notamment subvention aux associations, pour un peu plus de 400 000 euros, 416 000 euros, c'est dans ce poste-là. On a également la subvention CCAS, 292 000 euros. On verra que certainement cette année, il faudra aller un peu au-delà. Ce qu'on reverse au SDIS, 350 000 euros. Il y a des pompiers dans la salle, je ne dis pas que les pompiers coûtent cher, mais c'est 350 000 euros. Notre subvention que l'on verse au budget annexe du ciné-théâtre, rappelez-vous l'année dernière, on a dû mettre une rallonge, 385 000 euros. Voilà, tout ça, ça représente un peu moins de 17% de notre budget. Ok ? Voilà, et puis après, il y a bon, des charges qui pèsent moins budgétairement, mais les charges financières, ben, c'est les intérêts des emprunts, hein, tout simplement. Des charges exceptionnelles, alors qu'ont été particulièrement exceptionnelles l'année dernière, et c'est pour ça qu'elles sont importantes, mais une fois qu'on retraite tout ça, là il y avait les fameux résultats de nos budgets annexes de l'eau et l'assainissement avant que ça reparte à l'agglo. Mais sinon, voilà, en règle générale, les charges exceptionnelles, ça pèse beaucoup moins que ça. Et puis là-dedans, on avait également ben, ce qu'on a dû rembourser pour les redevances du droit d'occupation du domaine public, par exemple pour les terrasses l'année dernière. Donc un budget, effectivement, où les dépenses, quand on regarde le budget dans son ensemble, ont augmenté de plus de 8%. Mais quand on regarde bien, qu'on retraite tout ce qui est lié à l'exercice particulier de 2020, elles sont en baisse de 1,47%. Donc en clair, la ville, et depuis quelques années c'est le cas, hein, vraiment fait des efforts pour l'ensemble des services, pour essayer de maîtriser ses dépenses de son fonctionnement. De toute façon, on va voir qu'on n'a pas bien le choix, parce qu'au niveau des recettes, de toute façon, on est aussi un petit peu limité. Ça va là-dessus ? Alors, on reviendra sur le gros morceau là, des charges de personnel. Oui ? Oui, merci pour les explications, hein, c'est un exercice facile. Moi, j'avais une intervention à faire sur le terme de charge. C'est pas un terme que je trouve approprié. Le personnel, c'est pas une charge, les pompiers ne sont pas une charge, le bénéficiaire du CCAS ne sont pas une charge. Donc,
On utilise toujours le terme de cotisation, de dépenses, de frais, le terme de charge me choque un petit peu. Voilà, c'était juste alors, là-dessus. On est bien d'accord, je suis complètement d'accord avec vous, mais quand on vous dit, je ne vous parle pas du 0,11, parce que la maquette budgétaire, un contact, vous direz, c'est le 0,11, ben, le 0,11, c'est les charges à caractère général. Le 0,12, c'est les charges de personnel. Mais je suis d'accord avec vous, dans l'esprit, ce n'est pas une charge, c'est effectivement... ce qu'il faut consacrer pour faire fonctionner, c'est des charges de fonctionnement, ça sert à faire fonctionner notre collectivité. Mais désolé, là c'est la maquette budgétaire, c'est comme il y a un plan comptable dans les entreprises, là on a une maquette budgétaire, je ne sais plus, c'est la M14, c'est ça? C'est la M14. On ne peut pas... Mais vous avez raison quelque part. Hein. Vous avez raison, parce que sans personnel, la collectivité ne pourrait pas fonctionner. Voilà, ça c'est pas clair, le personnel. Donc c'est plutôt un poids financier qu'une charge. Mais les comptes sont comptables avec ça. On avance, du coup on va passer aux recettes, même exercice, un camembert, ben là on voit, sans trop de surprise, plus de 71% de notre budget, de nos recettes, ce sont les impôts et taxes. Alors, on verra tout à l'heure que dans ces impôts et taxes, il y a ce qu'on appelle les taxes directes, les impôts locaux, mais il y a aussi d'autres taxes, les taxes d'aménagement, les taxes sur les droits de mutation, l'attribution de compensation qu'on reçoit de l'intercommunalité, à l'époque quand la taxe professionnelle était partie à l'intercommunalité. Voilà, donc tout ça, c'est un peu plus de 8 millions d'euros qui nous permettent de financer notre fonctionnement. Donc c'est le gros morceau. Le deuxième gros morceau, on aimerait bien qu'il soit un peu plus gros, mais c'est comme ça, c'est les dotations, subventions et participations qui représentent près de 20%. Là aussi, il y aura un petit slide tout à l'heure pour expliquer le détail et l'évolution. Ce sont les subventions de l'État, essentiellement, les dotations globales, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, la dotation de solidarité, bref, donc les dotations de l'État qui pèsent 20%, mais qui ont eu une baisse importante il y a quelques années. On le reverra tout à l'heure. Donc, finalement, quand on regarde ça, on se dit... les impôts et taxes, on n'a pas bien de marge de manœuvre, hein, à part augmenter la fiscalité, mais je crois qu'on le redira tout à l'heure, hein, ce n'est pas envisagé dans la situation actuelle d'augmenter les taux d'imposition. Alors c'est un peu dynamique avec les bases, hein, mais ça reste quand même plutôt stable. Ça avait même baissé légèrement en 2020, hein, la part impôts et taxes. Et puis les dotations de l'État, on nous annonce une stabilité, c'est vrai depuis 4 ans, mais quid dans les années à venir, hein, parce qu'aujourd'hui c'est un peu open bar, hein, il y a des milliards qui tombent dans tous les sens. Est-ce qu'à un moment donné il ne va pas falloir mettre la main à la poche? Je crois que voilà, ça représente à peu près 2 millions d'euros. Hein, en fait, 20% sur les près 2 millions d'euros de dotation. Si peut-être quelque chose quand même dans les recettes. Vous savez, quand on parle de nos tarifs à la mairie, dire quel tarif il faut mettre. Tout tarif, le ticket de cantine, la location de la salle, etc., ça pèse que 2,96% de nos recettes. Il faut avoir ça en tête aussi. Et l'année dernière, Covid oblige, quand je parlais de recettes avant, ça a baissé de 20%. Ça a représenté que 339 000 euros en 2020, les recettes de nos services et de ce qui est lié à nos tarifs. Et 427 000 l'année d'avant, donc 20% moins. Et pour vous dire que ça pèse peanuts, quoi, pas peanuts, 3%. On va réfléchir peut-être sur certains tarifs, mais voilà, c'est pas ça qui, malheureusement, peut nous trouver vraiment des recettes nouvelles. On vous fait juste un petit slide sur comment on répartit les impôts locaux. Donc la grosse partie, là, 55%, c'est la taxe foncière sur le bâti, 55%. La taxe d'habitation, 43%. Je ne vais pas revenir dans le détail, mais vous savez que la taxe d'habitation, hein, ce n'est plus les communes qui ont la main, hein, directement, puisque 80% des ménages étaient exonérés. Les 20% restants, il y en a, ça y est, c'est parti, sur 3 ans, ils vont être exonérés petit à petit. Il y en a 20%, ceux qui restaient, qui sont exonérés cette année. Bref, on n'aura plus de vraiment la main sur cette taxe d'habitation qui est compensée, hein, par la taxe foncière que perçoit le département, mais à l'euro près. Hein, donc là-dessus. Alors on a un petit bout,
On en avait parlé, je crois, lors d'un conseil municipal. THLV, c'est la taxe d'habitation sur les locaux vacants. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question. On l'avait instauré il y a 4 ou 5 ans. Et elle diminue, alors tant mieux, ça veut dire qu'il y a de moins en moins de locaux vacants. Je regardais en détail, elle ne représente que 27 000 euros. C'était 64 000 euros en 2017. Donc on peut peut-être s'en réjouir. Ça veut dire que si on perçoit moins de taxes sur les locaux vacants, c'est qu'il y a moins de locaux vacants. Et c'est quand même le but du jeu. Voilà. Et puis le foncier non bâti, ça ne pèse pas grand-chose. Et puis il y a un petit rappel des taux d'imposition qui sont tout à fait dans la moyenne des strates de vie de 10 000 habitants. Ça va, pas de questions. Là, je vais très vite, mais c'est pour expliquer un petit peu les évolutions de la fiscalité, mais je viens d'en parler. Effectivement, la suppression de la TH sur nos résidences principales. On va quand même maintenir nos... Là, on a la main sur les locaux vacants. Et puis, on expliquait un peu plus en détail l'autre jour à la commission des finances cette compensation de la part départementale de la taxe foncière qui est perçue par le département. Mais normalement, si le département nous avait reversé la taxe foncière qu'il perçoit sur les bâtiments de Tournon, on aurait plus. Donc du coup, il y a un coefficient correcteur, il nous corrige et il nous verse à l'euro près ce que l'on percevait auparavant. Juste pour illustrer mes propos de tout à l'heure par rapport aux dotations de l'État, c'est toujours... d'avoir à l'esprit que, vous voyez, en 2014, l'ensemble de nos dotations était au-delà de 2,5 millions. Et on a vu une baisse à partir de 2015, 2016. Et puis après, ça s'est stabilisé. Hein, ça se stabilise. On est légèrement en dessous de 2 millions, 1 900 000 et des poussières. Mais quand même, et c'est l'analyse qu'on en fait, on vous en a déjà parlé, quand on regarde ce qu'on touchait en 2014, si on était resté sur le même niveau, on a, regardé en cumulé, on a quand même un manque à gagner, on va l'appeler comme ça, de 3,5 millions. Donc 3,5 millions de dotation en moins depuis 2014. Et ça, c'est sûr que ça nous avait effectivement impacté notre capacité d'investissement. Voilà un petit peu sur le fonctionnement, sur le budget dépenses recettes. Je vais un petit peu vite, vous m'arrêtez hein, s'il y a des questions. Tout à l'heure, on parlait d'investissement. Donc, sur la section d'investissement, sur le budget d'investissement, pardon, sur 2020, on est à peu près à 2,6 millions, avec un gros morceau qui était les travaux d'aménagement de la place du Quai Farconnet et de ses abords, puisqu'on était à 1 963 000. Il y a eu des travaux de voirie pour environ 350 000 euros, des dépenses sur les équipements sportifs pour 76 000 euros, et puis il y a eu à peu près 200 000 sur les dépenses d'équipement dans les services, dans les écoles. Donc je crois qu'il y a eu 70 000 euros pour les écoles et puis 160 000 euros pour les services. Donc voilà, à peu près 2,6 millions de dépenses sur 2020. Sur le mandat précédent, on a en moyenne investi 2,2 millions par an. Voilà. Ça sera un peu moins cette année, on le verra tout à l'heure. Comme le maire le disait en préambule, c'est pour une année un peu de transition. Et voilà, aux alentours de 2,2 millions investis lors du mandat précédent. Si on vous parle des recettes d'investissement, alors on prend le retraité parce que c'est vrai qu'il y en a un qui se retrouve dans les restes à réaliser tout à l'heure. Qu'on avait fait un emprunt simplement en fin d'année. L'année dernière, on a contracté 750 000 euros d'emprunt. Un premier de 250 000 euros. Et puis en fin d'année, vous vous rappelez, 500 000 euros qu'on avait mobilisé en fin d'année. Donc 750 000 euros d'emprunt. Des subventions pour environ 350 000 euros. Ça, c'est lié à certains projets d'investissement. Et c'est là-dessus où il faut faire des efforts et aller chercher des financements. Les amendes de police, là aussi, je crois qu'on avait eu des discussions lors de conseils municipaux précédents. 165 000 euros, alors, vous savez, il y a un calcul, une péréquation. Ce n'est pas que les amendes qui sont liées à ce que peuvent mettre nos policiers municipaux, puisqu'il y a une péréquation au niveau national avec un certain nombre de critères, mais ça représente 165 000 euros.
Alors ça peut varier, hein, au niveau du budget, on sera peut-être un peu plus prudent. La taxe d'aménagement, la TLE, et c'est là où on a eu une très très mauvaise surprise en 2020, puisqu'on est plutôt, en règle générale, aux alentours de 400 000 euros, et l'année dernière, ça a été 186 000 euros. Quand tout à l'heure, je parlais d'impact de la crise, ça s'en est un. Donc vraiment avec des recettes en baisse. Et le service urbanisme nous a fait un peu des projections, parce qu'on a un peu une idée, hein, avec les permis de construire, avec ce qui va se sortir. On est à peu près sur le même niveau en 2021. Donc ça m'étonnerait qu'on ait de bonnes surprises en 2021. Donc voilà très rapidement, hein, les grandes lignes de l'investissement 2020. On disait dans l'Europe, on doit faire un état de l'endettement de la commune. On vous a juste mis en bout de slide. Là aussi, il y a en tête quelques grands chiffres. Au 31 décembre, les encours de la dette étaient aux alentours de 17 millions d'euros. 15 millions qui concernent, on va dire, le budget principal et les budgets annexes. Et 2,3 millions qui concernent le parking de la place des Graviers, avec le bail amphithéotique qui est lié à cet investissement. On a pas mal échangé à la commission des finances sur la structuration de cette dette, parce que dans ces emprunts, il y a des emprunts à taux fixe, il y a des emprunts à taux variable, mais on a surtout, et c'est, je vous le disais en commission des finances, le prêt lié au financement de la gendarmerie, qui initialement est un prêt de 6 millions d'euros, pèse. Aujourd'hui, on vend près 5,5 millions. Et ce prêt, quand on dit c'est un prêt structuré, c'est qu'il avait plusieurs phases. Pendant les 9 premières années, c'était un taux fixe à 2,87, ne bougeait pas. Et puis, au bout de 9 ans, on est passé sur une période qui va durer pendant 14 ans, qui est un taux du coup qui devient variable, avec un taux qui est ajusté, et on en a souvent parlé, sur la parité du dollar et du franc suisse. Et du coup, cette parité s'est dégradée et on voit notre taux augmenter. Donc dès la première année, le 2,87, il est passé à 3,11. L'année dernière, il y a deux ans, il était passé à 3,22. Alors ça faisait 11 000 euros d'écart, c'était pas des bons. Mais là, en 2021... il est passé à 6,65. Et du coup, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'impact financier est important. Ça nous fait 171 000 euros de plus à rembourser par rapport à ce qu'on remboursait quand on était sur le taux fixe de 2,87. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne maîtrise pas la suite. C'est-à-dire que vous avez compris, 14 ans, ça fait que 3 ans qu'on y est dedans. Ça veut dire que pendant encore 11 ans, ça peut... se dégrader, ça peut revenir. Mais d'après un peu les spécialistes, on n'est pas parti pour que ça s'améliore vraiment. Donc, vous savez, on a évoqué ce sujet en commission des finances. Il va falloir qu'on s'y penche dessus. On s'y est déjà penché dessus, hein, puisqu'on a essayé de s'en sortir, on a attaqué Dexia, enfin voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Et aujourd'hui, on essaye de voir si on peut mettre en place financement, comment sortir de ce prêt, parce qu'il y a des coûts importants d'indemnité de rachat, et aujourd'hui on n'a pas la solution. Juste aussi pour dire, parce que souvent on nous disait, oui mais en face vous avez une gendarmerie, vous avez un loyer. Alors c'est vrai, il y a un loyer. Le loyer de la gendarmerie c'est 386 000 euros. Aujourd'hui avec le nouveau taux là que je vous annonce, le remboursement d'emprunt va nous coûter 469 000 euros. Donc vous avez fait le calcul. 83 000 euros d'écart entre le loyer qu'on encaisse et ce qu'on va payer à la banque. Sans compter que ce bâtiment, ces bâtiments, ont plus de 10 ans. Il n'y a plus de décennale. Il y a des bâtiments sur lesquels il faut intervenir. Il y a des travaux, il y a de l'entretien. Alors certes, les services y vont de temps en temps, ou même souvent, je ne sais pas, mais en tout cas, quasiment. Et puis il y a des entreprises qui vont intervenir. Donc c'est un coût pour la commune en plus. Donc on sera amené à en reparler. Certains se proposaient même lors de la commission des finances d'y travailler avec nous. Et voilà. Alors, je vous disais que c'est quand même des sujets qui sont quand même complexes et qu'on avait pris la tâche d'un cabinet spécialisé sur tout ce qui est financement.
le cabinet Orfeor, et on doit confier une mission spécifique sur cet aspect-là, parce que voilà, seul, on est un peu, aujourd'hui, pas complètement démunis, mais on n'a pas la solution, en tous les cas, toute faite pour sortir de ça. Mais en tous les cas, soit on en sort et sort un coup, soit on n'en sort pas, mais on s'expose dans les années à venir à avoir une dégradation à nouveau de ce taux. Je rajoute peut-être juste sur ce point, Laurent, si je peux me permettre, ce qu'on a souvent dit, hein, c'est que la difficulté, effectivement, d'en sortir, c'est l'indemnité de sortie qui est lourde, puisqu'elle pèse pas moins de 5 millions d'euros. Si vous rajoutez ça au capital à rembourser, vous êtes à entre 10 et 11 millions d'euros. Si on recapitalise 11 millions d'euros sur un nouveau emprunt, autant dire qu'on ne fait plus d'investissement pour les quelques années à venir. Donc la difficulté, elle est là. La deuxième difficulté, elle est sur la gestion du parc immobilier, qui est d'un poids important, hein, puisque vous savez qu'il y a à peu près une trentaine de logements, plus la caserne par elle-même, et qui ont déjà presque 12 ans d'âge, qui sont vieillissants, sur lesquels il y a de l'entretien régulier, sur lesquels il y a une gestion au quotidien, comme un syndic pourrait le faire, comme un gestionnaire classique de parc immobilier pourrait le faire. Cette gestion, j'avais souhaité, à un moment donné, proposer aux élus qu'on l'externalise. Parce qu'en plus, on a quelques difficultés en interne, on n'a pas la structuration technique qui nous permet de pouvoir chapeauter en permanence cette gestion-là, et qu'il serait plus intelligent qu'un gestionnaire puisse le faire à notre place. Eh bien, on ne peut pas en sortir, puisqu'on est justement sur cette structuration de prêt, et qu'aucun gestionnaire ne veut reprendre la gestion de ce site à cause de cette problématique-là. Quoi. Donc vous voyez, c'est la double peine un peu qui se conjugue sur cette opération. Donc, pour en sortir, ben, écoutez, évidemment, comme tu disais, les bonnes volontés sont là, on travaillera et on aura l'occasion de parler du sujet très très prochainement, bien sûr. Quand on regarde l'endettement de la commune et donc les encours et l'extinction de ces encours, alors évidemment, ça ne sera pas comme ça, puisqu'il y aura des emprunts qui vont venir chaque année, mais en rouge, on voit ces emprunts structurés, donc ils pèsent quand même dans nos encours. Et du coup, depuis quelques années, on a engagé le désendettement de la commune. Et il y a un ratio, c'est la capacité des endettements, c'est-à-dire avec nos recettes de fonctionnement, combien d'années il nous faudrait pour rembourser nos emprunts. Et là, en 2020, on est tombé à 10 ans, 10,14 ans pour être précis, alors qu'on était, je regardais tout à l'heure, selon votre rapport, on était à plus de 15 ans en 2017. Et en fait, il y a un seuil d'alerte à 11-12 ans. Et le seuil de vigilance, il est à 10 ans. Donc aujourd'hui, on est dans des ratios qui sont normaux. Hein. Alors il y a des villes qui. C'est sûr, je ne sais plus, je voyais une ville, il n'y avait aucun endettement. Saint-Maurice-Exic, je crois. Zéro emprunt. Bon, ils ont une centrale nucléaire, mais bon. Voilà, 10,14 ans. Donc on est plutôt aujourd'hui dans un ratio qui est normal. Et on va continuer à poursuivre ce désendettement. Et d'ailleurs, on voit, du coup, ça c'est sous forme de courbe, les fameux 10 années 14. En bleu, c'est ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement brut, c'est-à-dire mes recettes, mes dépenses, c'est ce qui reste. Donc en bleu. Et on voit que notre capacité d'autofinancement, elle n'était pas terrible hein, en 2016. Elle est remontée depuis. Et en rouge, c'est la CAFIET, c'est-à-dire c'est une fois que j'ai remboursé mes capitales de l'emprunt. Et bien, vous voyez qu'en 2016, avec notre CAF, quand on remboursait nos emprunts, on avait une CAF nette qui était négative. C'est-à-dire que notre résultat n'était pas suffisant pour rembourser le capital des emprunts. Donc, depuis 4 ans, c'est bien. Donc, il faut poursuivre. Je crois qu'il y a ça, vous l'entendrez. C'est pour ça que on peut rêver quand on fait des budgets, mais ça, c'est la réalité des choses. Voilà. Notre capacité d'autofinancement et notre endettement. Donc, si on réduit notre endettement, voilà. La capacité d'autofinancement, on y travaille. Hein. Moins de dépenses, plus de recettes, mais au bout d'un moment. Voilà un petit peu la structuration de la dette. Résumé. Encore une fois, vous avez le détail dans votre rapport. Dans le rapport, il y a également tout un volet sur les effectifs, donc le personnel. Alors, quand on parle des charges de personnel, vous avez raison, on ne devrait pas parler de charges de personnel. On a du personnel pour rendre l'ensemble des services qu'apporte la collectivité.
Aujourd'hui, c'est 154 feuilles de paye, 114 titulaires et 40 contractuels. Il y a eu une question d'ailleurs lors de la commission des finances et la réponse a été apportée dans le compte rendu. Et Audrey pourra compléter si elle le souhaite. C'est-à-dire que l'explication, c'était de dire ouais, mais comment ça se fait qu'il y a, l'effectif a augmenté de 10 entre 2019 et 2020. Alors déjà, la première explication, c'est qu'il y avait des contractuels, vous voyez, 44 en 2019, 40 en 2020. C'est qu'il y a aussi une politique que, eh ben, d'essayer de titulariser des agents, hein, parce que les contractuels, ils peuvent être là depuis des années. Donc il y a des contractuels qui passent titulaires, donc déjà, il y en a 4. Et puis il y a quand même eu des créations de postes, et c'est normal, et il y a des services. Il y a eu la création d'un poste sur un service communication, puisque... il n'y avait pas. Il y a eu un agent également recruté pour le service culture, et puis il y a eu des agents au niveau des écoles, on va dire de l'enseignement. Donc ça concerne 5 agents. Donc effectivement, il y a eu des recrutements sur 2020. Ce qu'il faut quand même qu'on ait en tête tous, et je me tourne vers Audrey parce qu'elle y tient et elle a raison, c'est que quand on regarde la commune de Tournon en nombre d'agents par rapport à la population, on a un taux d'administration, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est de 12,88 agents pour 1000 habitants. Donc on a un peu moins de 13 agents pour 1000 habitants. Et la moyenne d'une strate d'une ville de 11 000 habitants, c'est plutôt 17 agents. Donc voilà, donc on n'est pas super... on n'a pas, en termes d'effectifs, un nombre d'agents très, très, on va dire, supérieur à ce que pourraient être nos besoins. C'était peut-être... donc c'est important d'avoir aussi ces... Alors, je ne rentre pas dans le détail, par contre, de toute la partie que vous avez dans le rapport. Vous avez vu dans le rapport, il y a le volet des agents, de tout ce qui concerne les carrières, les évolutions de carrière, l'aspect formation, etc., etc. S'il y a des questions, on pourra y répondre, mais l'idée, c'était d'aller un petit peu vite. Et puis, dans un rapport d'orientation budgétaire, on parle d'orientation, évidemment. Et juste pour rappeler simplement que nos orientations elles s'inscrivent dans une construction budgétaire sous pression. Il y a la crise, un contexte qui est incertain. Il faudra qu'on soit en commission des finances, on a dit prudent, hein, c'est ça. On n'est pas pessimiste, on est prudent. Et on sera prudent. Et on va continuer, évidemment... tout ce qui est engagé depuis quelques années, d'essayer de rationaliser les achats. On essaiera quand même, et on ne fait pas qu'on essaiera, il y a la volonté de poursuivre et de maintenir le soutien à nos associations, au monde associatif et scolaire. Et puis on va essayer, de toute façon c'est le sport national, d'aller chercher des recettes et des subventions pour financer nos investissements. On essaiera de continuer à maîtriser nos charges de personnel, et puis, on n'augmentera pas les taux d'imposition, en tous les cas, l'orientation budgétaire, c'est 2021, sans bouger les taux d'imposition. Ça va ? Question Pascal, ouais. Le micro au fond de la salle. Oui, avant de passer donc à la partie budgétaire, on va évidemment pas refaire la commission des finances. Moi, je voulais juste relever trois choses. Une qui avait été dite en commission des finances sur l'emprunt qui était donc le crédit relais. On avait parlé de ce crédit relais et j'avais exprimé le fait que certains tournonnais avaient été inquiets par ce crédit relais. Donc Madame la DGS avait expliqué clairement que c'était pas habituel et que c'est peut-être pour ça que ça avait pu créer de l'inquiétude. Moi, j'avais passé le message que ça nécessitera de la pédagogie. J'avais bien compris que c'était en attendant les subventions, que c'était donc une avance. Mais j'avais passé ce message-là. Comme on est en conseil municipal public, je crois que c'est bien de redire cet élément-là. Le deuxième élément sur la dette... C'est pas exceptionnel. Hein. Même l'agglomération, le pratique et l'ensemble des collectivités...
parce qu'à un moment donné, quand vous avez un gros chantier, hein, c'est, en l'occurrence c'était le cas, vous avez forcément un décalage de remboursement de subventions. Donc, effectivement, c'est la méthode la plus classique. Mais moi, n'étant pas spécialiste de la comptabilité publique, j'ai des gens qui m'ont dit, quand on commence à faire ça, c'est inquiétant au niveau de... Donc j'ai eu une réponse, claire, mais je préférais le dire. Voilà. Deuxième sujet sur la dette. J'ai entendu dire la dette, on est à peu près bon, la capacité de remboursement est dans la strate. Pourtant, quand on compare, quand on va sur des analyses de comparaison, sur une strate équivalente à celle de Tournon, par rapport à une dette à 1472 par habitant, la moyenne des villes, c'est plutôt 850 hein, sur les sites que j'ai pu consulter. Donc, l'enfant de gendarmerie pèse 700 000 euros. D'accord. Donc c'est ça qui fait l'écart. 700 euros par habitant. Pardon, excusez-moi. Donc ça veut dire que sur les 1600, en vérité, on est dans la vraie strate. Vous voyez ? Donc le problème, c'est qu'on n'a pas pu le différencier du budget général. Ça pèse un peu, effectivement, sur la lecture qu'on peut avoir l'endettement. Sachant que le budget du parking des graviers qui est en plus, donc c'est vrai que il faut être vigilant, quoi. C'est clair qu'il faut être vigilant sur le même rapport. Oui. Voilà. Et troisième remarque sur la partie personnelle, là, si je garde les ratios, effectivement, là on est bien au niveau des ratios, on est mieux que le reste, donc là je confirme ce que Laurent disait, autant sur la partie strate endettement on est. Ça peut paraître inquiétant au niveau ratio gestion du personnel, ce sont des choses qui sont bonnes. Voilà. Merci. Une fois qu'on a ce contexte, après on peut commencer à mettre quelques chiffres sur l'élaboration du budget 2021. Alors ça va aller vite, hein, je vous disais, on va se retrouver d'ici 15 jours à arrêter la maquette budgétaire. On se retrouvera dans 3 semaines en commission des finances et dans un mois on sera ici pour voter le budget, hein. Donc ça va aller très vite. Donc aujourd'hui, je ne reviens pas sur le fonctionnement, parce que le fonctionnement, vous avez vu, de toute façon on n'a pas bien de marge de manœuvre, mais on sera aux alentours de 11 millions d'euros de fonctionnement. On ne va pas faire quand on dit on va maintenir le soutien de l'association, on ne va pas remettre en question quoi que ce soit, on repart sur des budgets de fonctionnement avec les services, on a fait le tour, mais on a besoin de plus. Et sur la partie investissement, on part sur une maquette budgétaire où on sera aux alentours d'un million et demi d'investissement. Bon, pourquoi un million et demi? Ce n'est pas un chiffre qui est balancé comme ça. C'est, rappelez-vous, le résultat du début de mes propos sur ce qu'on peut dégager sur notre section de fonctionnement. En mettant de côté, Pascal quand même a raison, c'est-à-dire ce crédit relais là, de 800 000, il faudra bien le rembourser. Et donc on n'y touche pas, hein. C'est pour ça qu'on ne se lâche pas, il ne nous sert pas à financer des investissements nouveaux pour cette année. Donc 1,5 million, c'est finançable avec notre capacité d'autofinancement qu'on peut avoir disponible. Les recettes qu'on ira chercher pour financer quelques investissements, on a quand même quelques idées. Et un emprunt d'équilibre qui devrait se situer aux alentours de 750, donc il n'ira pas au-delà de ce qu'on a contracté l'exercice précédent. Il pourrait être moins si on pouvait avoir des financements, notamment là où on n'a pas bien de visibilité, je me tourne vers Audrey, on en a parlé, puisqu'au niveau aménagement urbain, on est dans les opérations d'ORT, de petites villes de demain, et là on ne mesure pas bien encore ce qu'on pourra aller chercher pour financer des investissements à venir. Donc quand on n'est pas sûr des recettes, évidemment, on ne les inscrit pas en budget, donc on est plutôt prudent là encore. Donc voilà, plutôt 1,5 million. Vous avez, on va dire, dans votre rapport d'orientation budgétaire, un peu le détail de ce qu'il y a derrière. Il y a des têtes de chapitre qu'on a intitulées, voilà, plutôt les investissements qui vont sur la revitalisation du centre-ville, 475 000 euros dedans, par exemple, on inscrirait. On va le voir et on va le travailler, et ça vous sera présenté évidemment, les travaux de la rue Gabriel-Fort qui seraient un peu la suite des travaux de la place Jean Jaurès qui pèseraient aux alentours de 370 000 euros. On a également 300 000 euros sur tout ce qui concerne, on appelait ça une ville plus sûre, solidaire, au service public modernisé, il faut bien penser aussi à équiper par exemple nos écoles, nos services. Faire des travaux d'aménagement
Voilà, mettre en œuvre un plan de mobilité aussi. Alors, en commission des finances, certains me disaient que c'était peut-être un peu léger l'enveloppe, mais je crois que l'idée, c'est d'inscrire et de travailler sur un plan pluriannuel. Et là, comme on dit, c'est une première année, premier budget, première année de mandat. Et voilà, il y a quand même une volonté d'inscrire chaque année les investissements sur la mobilité. Des investissements qui concernent évidemment nos bâtiments, nos équipements, équipements sportifs, culturels, le château, nos bâtiments, le stade, bref, cette année dans des équipements sportifs. Et vous le verrez tout à l'heure, on va demander une subvention là, pour le gymnase Longueau. On a également le stade d'athlétisme qui devrait voir certains travaux également. Et puis, dans nos budgets, parce que c'est le premier, mais je crois que chaque année aussi, on inscrira des investissements qui concernent la transition écologique voilà, et le développement durable au sens large. Par exemple, un projet qui, je pense, sera intéressant, c'est que est envisagé, je me tourne vers Ingrid là, et Jean-Claude, du coup, on a parlé de nos écoles, de végétaliser les cours d'école. Et l'idée cette année, ça serait de commencer par l'école Jean Moulin et de faire un programme vraiment de reprise de l'ensemble de l'école, enlever de l'enrobé pour mettre plutôt de la verdure. Donc voilà, il y a un projet qui est en cours, qui est en cours de discussion. Voilà, je ne reviens pas dans le détail, sauf si vous le souhaitez. Et encore une fois, ça sera présenté lors de la présentation budgétaire. Monsieur Carrel. Oui, j'avais juste une petite remarque, mais que j'ai déjà fait en commission de finances. Je ne vais pas prendre trop de temps, rassurez-vous. Bon, sur les 1,5 million d'euros d'investissement, donc il y a 20% et 300 000 euros sur la mise en œuvre du plan de mobilité, avec notamment la mise en sécurité des déplacements en mode doux. Alors, le problème dont on a parlé en réunion, effectivement, c'est que sur ces 300 000 euros, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de tirets qui ne sont pas détaillés. Alors, j'ai bien entendu qu'ils le seront dans 15 jours, donc ça, j'ai pas de problème. Je rappelle ce qu'il y a dans ces 300 000 euros. Il y a l'aménagement des jardins familiaux, divers travaux de voirie, l'étude préalable pour la sécurisation du chemin des îles Ferret, les équipements scolaires, les équipements des services, les véhicules, etc. Bon. Donc, de telle sorte qu'en réalité, on ne sait pas clairement les actions concrètes relatives à la mobilité douce qui seront effectivement mises en place en 2021, leur budget associé, enfin, au jour, à l'instant où on parle. Et donc, on a le sentiment que la mobilité douce, pour l'instant, ça n'apparaît pas totalement comme une priorité. Et j'insistais aussi sur le fait que la commission mobilité ne s'est réunie que deux fois en neuf mois, depuis les élections, sauf erreur de ma part, et la commission transport de l'agglo à peu près deux fois, je crois, également. Donc, pour nous, c'est un peu dommage, parce que nous avions transmis dès le mois de septembre 2020 à vos services et à certains élus de votre majorité, parce qu'on souhaite être constructif, véritablement. On avait transmis donc de nombreuses propositions et on pense que certaines pouvaient être mises en œuvre dès 2021, sans attendre donc 2022. Et sans forcément attendre le résultat des études Arter et Codra qui sont en cours actuellement. Donc moi, le message que j'ai, c'est qu'on espère qu'à travers ce message qu'on a déjà indiqué en commission des finances, le budget final 2021, dans un mois, qui sera présenté, on aura vraiment des actions sur les mobilités douces dès 2021. Parce que je pense qu'on peut véritablement faire des actions concrètes, qui sont d'ailleurs pas forcément coûteuses, d'ailleurs, hein, certaines sont assez simples et de bon sens. Et nous, opposition entre guillemets, ou groupe minoritaire, on est à disposition pour travailler sur tous ces sujets, comme vous le savez, depuis le début, depuis juillet 2020. Alors, merci pour cette intervention. Je vous l'ai déjà dit, hein, soyez pas trop impatients, mais si je dis ça, c'est que la construction... Et là, on est sur des orientations budgétaires. À partir de maintenant, on va se réunir les commissions à nouveau pour décrypter les orientations qui sont affichées, les documents que vous avez, qui vont permettre plus finement de travailler les orientations, notamment quelle mobilité. Bon, la mobilité, c'est un fil rouge pour le mandat. Il n'y a pas personne dans cette salle qui pourrait contredire ce que vous êtes en train de dire. Bien évidemment, ça se construit. Ça se construit par des petits aménagements, comme vous le citez, et il y en a nombreux qui pourraient être réalisés, et notamment en interne par les services, hein, qui ne figurent pas d'ailleurs dans ces investissements-là, parce que l'enveloppe, elle est confortée aussi par des travaux en régie réalisés par les services. Et ils sont assez nombreux, puisqu'ils peuvent peser jusqu'à 200 000 euros annuels, grosso modo. Donc, ils sont, c'est une conséquence complémentaire importante.
Donc ce travail doit être décrypté en commission avant d'arriver effectivement sur la fabrication, la finalisation, je veux dire, de la maquette budgétaire qui sera proposée ensuite aux commissions des finances. On doit tenir compte aussi quand même du travail qui est fait par le cabinet à qui on a confié à la fois une double mission, celle de travailler finement notre stationnement à partir du moment où depuis 3 ans nous avons mis en place, depuis la dépénalisation du stationnement, une orientation sur les zones bleues, qui a amené peut-être, qui amène forcément, j'allais dire, un rafraîchissement de ce travail-là, qui amène aussi un travail sur la mobilité purement et simplement de notre ville avec la ville sœur en face qui mène la même étude, et nous avons souhaité rassembler nos informations. Ça va être le sujet notamment du deuxième réunion du groupe de travail, où j'ai souhaité que le groupe de travail tourmonnaire rencontre le groupe de travail ténois pour qu'on puisse harmoniser nos actions. Il va y avoir début avril une réunion du groupe de mobilité tournonnais, et puis elle sera suivie lorsque TIN aura terminé son étude, hein, puisque nous on n'est pas très loin d'avoir les scénarios possibles que l'on puisse prendre en décision finale. Donc il y aura 2 réunions successives qui vont se faire à partir de début avril et certainement fin avril, début mai. À partir de ces éléments-là, ensuite, le travail commence, si je puis dire. Il y a le travail qui donnera les grandes orientations. Quand on parle ici des îles Ferré, ben, c'est les îles Ferré, c'est pour aussi mettre en sécurité les gens qui sont sur ces secteurs-là, alors qu'on voit que les maraîchages sur Tournon continue à augmenter et à amener malheureusement l'automobile encore, et qu'il faut bien mettre en sécurité nos habitants. Donc ça fait partie des orientations fortes. Après, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire qui doivent être effectivement orientés par la commission, décidés en finalité par la commission des finances. Donc c'est un travail effectivement intellectuellement un peu long, je suis d'accord avec vous. J'ai été le premier, j'étais comme vous à l'époque où j'étais encore en activité, un peu impatient quelquefois. Je suis devenu un jour adjoint à l'urbanisme et j'étais un peu moins impatient parce que je me rendais compte de la réalité effectivement des choses, et c'est pas toujours facile. Mais ne perdez pas patience, on va travailler avec vous, on va profiter de votre expérimentation, on va profiter de l'envie que vous avez de travailler dans ce secteur-là, et je vous conseille très vivement effectivement de continuer à participer aux commissions. On a, reconnaissez-le, dans cette période de Covid, un démarrage un peu lent dans la fabrication de nos orientations budgétaires. On travaille, certes la visio c'est bien, mais c'est pas la panacée quand même. Quand on veut étaler un plan sur une table, quand on veut travailler sur les sujets notamment liés également à l'urbanisme, quoi. Donc voilà, non mais je tiens compte de ce que vous dites, mais il n'y aura pas de trou dans la raquette sur le travail très directement lié à la mobilité sur notre territoire, qui a des difficultés importantes par rapport à d'autres territoires, c'est sa géographie, quoi. Reconnaissons-le. Voilà. Merci pour votre intervention. Oui, M. Guichard. Oui, je me permets moi une intervention au nom du groupe Tournant commun pour saluer quand même l'effort d'explication qui est fait sur ce rapport d'orientation budgétaire. C'est pas, j'imagine, un travail aisé. On regarde, nous, ce rapport avec voilà, attention, bien sûr. On y a vu cette année, en tout cas, une rédaction assez consensuelle, des termes voilà, choisis qui sont plutôt positifs dans l'absolu. Néanmoins, il y a parfois des mots et on ne retrouve pas toujours derrière le contenu et des fois la concrétisation aussi. Et pour le coup, là-dessus, j'assumerai cette impatience qui doit être aussi la nôtre en tant que groupe d'opposition, mais constructif bien sûr pour notre ville et ses habitants. Dans cette période de crise multiple, qui sont évoquées d'ailleurs en introduction du rapport d'orientation budgétaire, la crise du Covid bien sûr, mais également toutes les crises patentes, notamment la crise environnementale aussi, on attend, nous, de voir davantage d'actions et de matières en rapport avec le social et l'écologie. Ces crises, elles nous amènent à devoir affronter des défis qui soient ceux de l'assistance aux plus démunis, de la solidarité et de la transition écologique. Aujourd'hui, le budget et ce qui vous est présenté, ça reste finalement dans la lignée de ce qui vraisemblablement a été mis en place depuis déjà les 13 ans de mandat de cette majorité municipale. Voilà, on ne voit pas finalement de variation de cap tenant compte de ces impératifs.
Il nous est par ailleurs annoncé un PPI qu'on attend également avec impatience, mais on aurait pu là aussi avoir peut-être plus rapidement vis-à-vis de tenant compte plutôt de l'antériorité et de l'expérience peut-être aussi de cette équipe. Voilà. Alors, Laurent, tant que vous également complété mon propos. Oui, je complète deux petits axes de réflexion. Le premier, c'est sur les 1,5 million qui sont programmés pour les différentes actions que nous, on soutient, bien sûr. J'ai peur qu'elles soient un petit peu légères, alors peut-être que je suis un peu ambitieux. J'ai tendance à penser qu'il ne faut pas non plus avoir peur de l'endettement. On a vu qu'on savait le faire. Voilà, bon, une réflexion là-dessus. La deuxième, ça concerne le personnel. Donc, j'ai bien noté qu'on était à 25% de moins que les moyennes de villes de notre taille. Ça veut dire que soit on a un personnel qui est extraordinaire et qui fait tout le boulot avec 25% d'effectifs en moins, dans quel cas il faut le rétribuer à cette hauteur-là, ou bien on a peut-être un recours à de nombreux prestataires, peut-être plus que la moyenne des villes de notre, je ne sais pas, c'est une question, hein, de notre taille. Et est-ce que ces prestataires nous coûtent plus cher que si on avait 25% d'effectifs en plus? Alors, sur ce dernier point, je vous rassure tout de suite, on a très peu de prestataires extérieurs qui viennent faire à la place, on va dire, de personnel municipal. On a même plutôt un renforcement, notre plan de liaison avec l'agglomération, avec une convention de mandat, par exemple, sur les dossiers de voirie, de façon à amener de l'expertise qui existe sur l'agglomération, qu'on n'a pas forcément en interne et qui nous permet de compléter. Mais on en a très peu, on n'a pas, à part quelques études, effectivement, mais liées, par exemple, à l'étude sur la mobilité, qui est un prestataire extérieur. On a... les 25% de moins, alors que c'est la moyenne, hein, bien sûr que moi, je serais le premier à dire, si on est 10 de plus, on prend encore plus de choses, c'est certain. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui se font par les services en interne, notamment sur la voirie, sur les mobilités douces. On pourrait être plus nombreux pour faire plus, y compris sur le fleurissement, y compris sur... Voilà. Mais, encore une fois, on est observé par la Cour régionale des comptes, quoi. La volonté, parce que je suis comme vous, hein, moi je préférais faire, j'adore bâtir, moi, c'est mon métier d'origine, je préférais qu'on mette 3 millions sur la table aujourd'hui pour partir vraiment sur des projets très très concrets, quoi. Mais je me freine comme les autres, pourquoi? Parce que maîtriser son endettement, quelque part, c'est pouvoir permettre demain d'aller emprunter auprès de nos financiers qui nous regardent d'un œil assez curieux quand on se retrouve sous la fragilisation d'un endettement trop fort, et notamment avec ce fameux emprunt structuré qui nous casse les pieds parce qu'il nous donne une mauvaise lecture. Et quelquefois, et pendant très nombreuses années, même pas quelquefois, on a eu la porte fermée quelquefois par certains banquiers qui nous disaient « Non, mais on vous répond pas. On vous répond même pas. » Vous voyez, donc c'est un peu l'équilibre entre ces deux, mais vous avez raison, hein, sur la volonté de dire « Il faut aller encore plus loin, il faudra ». C'est pour ça que le plan pluriannuel d'investissement qu'il faut qu'on bâtisse collégialement sur les propositions que nous ferons et que vous construirez, que vous amenderez, c'est comme ça que je vois la démocratie, moi, personnellement. Je demande, mais l'impatience, elle est partagée par mes collègues élus, les nouveaux qui sont arrivés, plus de 50% du conseil municipal a été renouvelé, je vous le rappelle, dont fait partie la majorité, et tous les jours, ils me disent, putain, on va passer vite, quoi. Mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? Ben, peut-être je vieillis, je me dis, peut-être je vais pas assez vite, mais c'est pas tout à fait ça. C'est qu'en vérité, on peut pas pédaler plus vite que la musique, quoi. Et que c'est compliqué, et que quand je dis il faut prendre patience, c'est qu'il faut construire quand même, mais dans des limites acceptables. Après, et Pierre Richard, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, on fait pas que continuer ce qui a été entrepris depuis 13 ans. Bien sûr qu'il y a des projets entrepris quand on dit qu'il faut finir le cœur de ville, je crois que tout le monde partage le fait de dire que la revalorisation du centre-ville, elle est nécessaire d'être terminée, on est d'accord. Mais les grandes orientations liées au développement durable, à l'environnement, tout à l'heure on verra le plan cours d'école, les plantations d'arbres qui sont projetées, tout ça qui sera retravaillé en commission, notamment dans la commission développement durable, sont des engagements forts, qui devient un fil conducteur, d'ailleurs partagé par beaucoup de collectivités, hein, qui a été peut-être pas mis de côté, mais moins engagé sur les derniers mandats. La mobilité est beaucoup plus engagée,
d'ailleurs, avec la volonté affirmée que vous avez sur ce mandat-là, qu'elle a peut-être été sur le dernier mandat. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même et le travail de la préservation de notre patrimoine bâti, écoles, bâtiments sportifs, bâtiments culturels, est beaucoup plus forte encore parce que ces bâtiments vieillissent, parce qu'il faut les entretenir, parce qu'ils ont un coût, effectivement, d'investissement et de réparation. Quoi. Donc, tout ça ramené fait qu'on est tous d'accord, en vérité, mais qu'on interprète les choses un peu différemment. Quoi. On va dire les choses comme ça. Voilà. J'avais dit que oui, c'est pour faire un débat, hein, par rapport à l'intention publique. Donc c'est normal. C'était un débat. C'est bien. Et c'est vrai, non, juste pour revenir sur. Se dire, c'est peut-être difficile aussi de mettre dans une case des investissements, parce qu'il y a quand même des choses qui sont transversales. Quand on parle du social, ça veut dire quoi le social? Par exemple, dans le budget de fonctionnement, on sait déjà qu'on va augmenter la subvention qui sera votée pour le CCAS. Parce que aujourd'hui, il y a plus de demandes, et je me tourne vers Florence ou Christiane, voilà, les 292 000 euros vont sûrement passer à 330, 320, voilà. Mais est-ce que, pour autant, on dit qu'on fait du social? Ben non, on essaye aussi de prendre en compte... On répond à un besoin. Voilà, mais quand on met des subventions pour l'OPH-RU, quand on rénove du logement, c'est aussi, quelque part... permettre un meilleur habitat, lutter contre la précarité énergétique. Donc du coup, c'est peut-être un peu difficile de dire ça nous va bien. Ça. En fait, tout est un petit peu, j'allais dire un peu transversal. Très honnêtement, ce qui nous guide aujourd'hui, c'est vrai que c'est les enveloppes financières. Après, on peut toujours dire, ouais, nous, on aurait peut-être plus mis ça en avant que... C'est sûr. Mais sur le PPRI, et Pierre disait on aurait voulu l'avoir un peu plus vite, nous aussi finalement, on s'est aperçu que les 6 premiers mois du mandat ont été complètement quand même perturbés par du mal à se rencontrer. Et vraiment, il y a un gros travail à faire qui sera fait dans les prochaines semaines pour avoir une vision sur les 5 années à venir. Voilà. Mais on l'a dit tout à l'heure, hein, une année un budget un peu de transition quand même. Okay, mais voilà. Et du coup, peut-être le dernier slide, j'ai dit que je ne voulais pas faire 2 heures de commission, mais on va y arriver si on continue. Non, c'est de dire un peu les hypothèses de travail pour le budget. Dans le fonctionnement, on sait qu'on a des ressources qui plus ou moins varieront de 1%, mais il ne faut pas espérer plus. Hein. Nos impôts locaux là, qui représentent 70% du budget ne vont pas exploser. Nos recettes, ça sera difficile. On va essayer de maintenir nos charges. Caractère général, on disait tout à l'heure, c'était nos frais généraux, ça, 1,2, hein, c'est un peu plus que l'inflation, hein, c'est pas... les autres charges de gestion, 1,2, avec quand même, c'est important, le maintien des associations. On disait que c'était à temps qu'on trouve toutes nos subventions, y compris la subvention au CCAS. Voilà. Les charges de personnel, on disait tout à l'heure, on essaye de les maîtriser, mais on ne peut pas faire non plus des miracles. Voilà, donc plus 2%. Voilà un petit peu ce qui est envisagé à peu près sur le fonctionnement et puis sur l'investissement, on vient de vous le dire. Essayer de maîtriser les dépenses et du coup l'endettement avec un emprunt de 750 000 euros. Et on sait que... On peut avoir peut-être de bonnes surprises, hein, parce qu'on aura des DM en cours d'année, hein, il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir rectifier. Mais bon, taxe d'aménagement à 200 000 euros, c'est 200 000 euros de recettes qu'on n'a pas, qu'on avait budgété les années précédentes. Quoi. Voilà. Ce que je pouvais vous dire sur ce rapport d'orientation budgétaire, alors, hormis les réactions qui ont déjà eu lieu, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a... D'autres compléments d'informations? Parce qu'il n'appellera pas un vote, hein, c'est simplement... Oui, on va prendre acte. Ah si, il est voté. Je croyais qu'il n'était pas voté. On prend acte, enfin, on vote. C'est ça. On va même le voter, alors. Okay. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? En tous les cas, merci de votre attention, et puis dans quelques jours pour le BP... Donc on va délibérer pour prendre acte que le rapport d'orientation budgétaire a été échangé sous forme de débat. Hein. Pas de problème là-dessus, pas de, je suppose, de votre compte pour contredire le fait que nous avons échangé. Je vous remercie. Merci Laurent. On est d'accord, Pierre-Guichard. C'est un vote qui prend acte simplement. C'est un vote qui prend acte, oui, tout à fait. C'est pour acter le fait qu'il y a bien eu débat d'orientation budgétaire suite
à la présentation du rapport. Voilà, de... D'accord, très on bien. Pas sur, on n'est pas sur le budget, là. Je le dis simplement, peut-être, pour que ce soit bien notifié à PV, peut-être. Après, sur le PV, ce sera acté comme ça. Notre position vis-à-vis de ce rapport et des orientations, bien sûr, dans l'absolu, en attendant le budget, on s'abstient de toute position définitive. Voilà, alors, simplement donc, pour donc vous vous abstenez sur le... Non, non, on soit bien, vous êtes bien d'accord de prendre acte du débat. On prend acte, mais je le dis simplement pour que le. Non, mais j'ai un mot sur notre position des orientations proposées. Voilà, okay. Dans la délibre, c'est le conseil municipal prend acte de la communication du rapport et des orientations budgétaires pour 2021 et de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2021 organisé en son sein. C'est tout. C'est pas, on n'est pas effectivement, on se prononce pas sur le budget là, évidemment. Et puis, juste pour terminer, je voudrais remercier les services, déjà. On les remerciera aussi pour le budget, mais voilà, les services, services finances, et puis l'ensemble des services et la directrice. Et vous avez posé les bonnes questions. Le point suivant, c'est une convention de formation incendie avec le centre de formation de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Ardèche. Nous avons effectué une consultation afin de pouvoir définir des sessions de formation auprès de notre personnel. C'est l'UDSP, donc Ardèche 07, qui a réussi à être la mieux placée, à 531 € TTC par session de 4 groupes prévus sur l'année 2021. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus pour approuver et m'autoriser à signer cette convention. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Une convention avec le centre de gestion de l'Ardèche relative à un renouvellement des conventions avec l'assistante administrative pour le traitement des fins de carrière, d'inhabilité et de reversion. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de difficulté pour accepter la signature de cette convention. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vais laisser la parole donc à Maxime Chabou et lui donner un micro. Merci. Laurence, tu peux faire passer le micro. Ah, il y en a un là, du coup. Concernant la convention de mise à disposition avec la communauté d'agglo du centre d'accueil de loisirs du centre socio-culturel. Oui, le centre socio-culturel de Tournon accueille chaque période de vacances des enfants de 3 à 13 ans. Avec la crise sanitaire actuelle, les locaux qu'ils avaient ne sont plus adaptés, donc il faut trouver un local adapté sur un seul site. Donc il est proposé pour les locaux de la maternelle Saint-Exupéry et l'école élémentaire du Quai pour cet accueil de loisirs. Et on établira donc une convention mise à disposition jusqu'au 31 juillet 2021. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer cette convention de mise à disposition pour Arche Aglo pour l'accueil des loisirs. Contre. Pas de vote, tout le monde a entendu, donc je suis pas sûr. Tu pars doucement, hein. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Merci Maxime. Jean-Claude Basté, bah, tiens, prends le micro. Concernant la convention relative à l'organisation des mesures de responsabilisation avec le lycée Marius Bouvier. Oui, bonsoir. Un mort. C'est le lycée professionnel Bouvier qui nous interpelle et qui recherche des partenaires, que ce soit des entreprises, associations, collectivités locales, pour mettre en œuvre cette convention de responsabilisation, dite aussi de substitution à la sanction. Cette mesure est mise en place afin d'éviter un processus de déscolarisation, on l'aura compris, en cas d'exclusion d'un élève pris par la patrouille. La ville souhaite accompagner dans cet objectif, sachant que les spécialités de ce lycée concernent la menuiserie et la sécurité d'autant plus. Donc il est convenu d'établir une convention pour déterminer les règles qui couvrent le lycée et qui couvrent bien sûr la municipalité. Mais pas que, ça fait aussi l'objet d'un autre document que je trouve intéressant, type stage. Il y a une proposition du lycée, il y a l'acceptation du partenaire que nous sommes dans cette mesure, mais il y a aussi le volontariat d'élèves qui fait montre par là, à mon avis, de son engagement.
et ils participent à une professionnelle. Voilà. Et ne pas négliger non plus l'aspect parental, puisque le tuteur légal amène aussi sa signature si le jeune n'est pas majeur. Voilà, il est proposé au conseil municipal d'accorder à M. le maire de signer cette convention relative à l'organisation des mesures de responsabilisation avec le lycée à Rousse-Bouville. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Pierre Richard. Bon, oui, du coup, c'est effectivement, on attendait un peu d'en savoir plus sur cette convention. Est-ce que, enfin, compte tenu de l'exposé, c'est vrai que ça s'apparente à finalement des travaux d'intérêt généraux? C'est ça. Voilà, enfin, c'est ça. C'est, oui, ça ressemble à ça. Voilà. Alors, l'origine, pour la petite histoire, c'est l'enseignement agricole qui avait mis ça en place il y a quelques années. Au lieu de sanctionner l'élève se retrouvait dans l'exploitation. Et c'est l'éducation nationale qui a trouvé le procédé extrêmement intéressant, certainement dû au contrôle continu d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que l'élève ne saute pas de cours. Et ce que je disais fait montre par là son intérêt à suivre les cours et ne pas être pénalisé. Oui, et pas déscolarisé surtout. Et pas déscolarisé. Mais ça faisait suite un petit peu aux interventions qu'avait fait le proviseur du lycée technique à l'époque, en CLSPD, il y a maintenant 2 ans, qui avait effectivement bien expliqué très clairement que si on pouvait donner un petit coup de main, on va dire des choses comme ça, hein, là-dessus, ça ne serait pas inintéressant. C'est vrai qu'il y a quelques difficultés, hein, on dirait des choses comme ça. Oui, mais est-ce que... Est-ce que ça mériterait pas peut-être, et là c'est une réflexion personnelle que je livre, mais d'ouvrir un peu ce dispositif et de permettre aussi à des jeunes qui ne sont pas forcément punis, hein, pour le dire, de participer et d'intégrer effectivement aussi des équipes de la commune pour voilà, aussi mettre un pied, et ça peut peut-être être préventif que juste punitif. Alors, on le peut par expérience, c'est un dispositif qui demande d'être extrêmement protégé aussi. On parle de sanctions, donc c'est un élève qui a commis quand même, on peut supposer, quelques infractions au règlement. Donc il y a aussi une mise en activité en entreprise qui demande de nous couvrir. Voilà, ça fait l'objet de conventions très précises. Et puis encore une fois, d'un volontariat de l'élève, d'une couverture d'assurance, etc. Et le procédé est effectivement intéressant pour le jeu. Et une question concernant le personnel de la commune qui va être amené à encadrer ces jeunes qui ont un comportement parfois délictueux. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils ont été consultés? On a leur position? Est-ce qu'ils vont être formés à accueillir des jeunes qui ne sont pas forcément faciles? N'importe quel encadrant ne peut pas être comme ça, effectivement, sur le pied de guerre, si je puis dire. On a eu quelques expériences dans le cas des TIGES, avec le ministère de la Justice, sur des problématiques où on a pu encadrer, donc on a un petit peu d'expérience, mais c'est vrai que la très grosse difficulté, c'est de trouver le bon encadrant, quoi. Et qu'il soit, parce qu'on ne peut pas lui imposer, hein, il faut qu'il soit investi sur le fait de dire je fais la mission. Voilà. Mais pour l'instant, ils ne sont pas désignés, bien évidemment, hein, puisque c'est en fonction, j'allais dire, de ce qui sera proposé, quoi. L'intérêt aussi, je pense, je prendrai cette expression, c'est de les faire passer sous les fourches codines. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient vraiment volontaires pour cette substitution à la sanction. Volontaires et formés. Oui, oui, bien sûr. Alors, comment? Pardon. On est sur une convention type stage aussi, c'est-à-dire qu'on peut supposer que... On est susceptible de recevoir des stagiaires dans le cadre de leur formation professionnelle. Oui. Il y a un parallèle intéressant. La différence entre accueillir un stagiaire volontaire qui vient apprendre un métier ou découvrir un métier, c'est que là, on a des enfants ou des jeunes adultes qui sont a priori pas très volontaires puisqu'on est sur du punitif. Donc, c'est des enfants ou des jeunes adultes qui potentiellement vont être difficiles à gérer. Je m'inquiète pour notre personnel municipal. Alors, quand je disais le lycée agit sur proposition aussi, c'est-à-dire qu'il connaît les individus qui sont susceptibles d'intégrer cette convention. Généralement, les exclusions temporaires sont de 4 demi-journées, 5 demi-journées.
La substitution concerne généralement mercredi après-midi sur deux ou trois mercredis après-midi. C'est pas des fois. Pas sur du temps long, encore une fois, il faut bien distinguer des tiges, hein, où là on est sur du temps long, ou parce qu'on est sur la sanction. Quoi. Là on est plus à extraire le môme qui du coup a déconné, quoi, on va dire les choses comme elles sont, mais effectivement ponctuellement, quoi, sans lui faire perdre son cursus de scolarité. Mais oui, ça demande d'être très, très fin quant à l'encadrement. Ça, on l'entend, bien sûr. Quand je disais acceptation du partenaire, j'imagine aussi qu'on a le droit de regard sur la commis. Bien sûr. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions là-dessus, je vous propose de signer m'autoriser à signer cette convention. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Abstention. Combien ? Une ? Deux ? Une ? Ok. Je vous propose, Jean-Claude, je te propose de continuer pour la régularisation des crédits scolaires. Oui, tout simplement, à destination de l'école privée du Sacré-Cœur, pour cette loi qui ne reconnaît plus seulement les classes dites sous contrat d'association, mais tous les élèves scolarisés, compte tenu de l'obligation de l'école à l'âge de 3 ans. Voilà, nous avons versé ces indemnités tout à fait correctement, si ce n'est que quand le décret est sorti, si ce n'est qu'il y a une rétroaction de trimestre, je vois, donc il y a une régulation à faire à partir du 1er septembre 2019. Pour mémoire, dessous, vous avez le coût moyen d'un élève de nos écoles, hein, qui s'élève pour un élève de maternelle à 1 443,46 € et pour un enfant de moins de 3 ans, 527 €. Donc ça fait l'objet quand même d'une comptabilité très précise, cette somme. C'est pour mémoire et c'est basé sur N-1, c'est-à-dire 2018. Voilà, il y a une régularisation à faire à destination du petit Sacré-Cœur. Oui, c'est une charge supplémentaire, vous l'avez bien compris, hein, qui s'impose à nous, hein, oui. Par sur, évidemment, décision d'État, qui représente 40 à 50 000 euros. Oui, pas neutre, oui. Hein, c'est ça, qui est loin d'être neutre. Oui. Oui, considérant notamment ce que vous venez de dire sur la charge qui n'est pas neutre, justement, nous ne voterons pas contre cette délibération. Néanmoins, comme on l'avait fait au dernier conseil, on rappelle notre opposition de principe à cette démarche que nous impose l'État de financer un service privé, alors que, encore une fois, nos services, notre école libre, gratuite et obligatoire de l'éducation nationale auraient bien besoin, par exemple, de ces fonds aussi pour fonctionner, proposer d'autres choses aux élèves. Voilà. Ça pèse, il y a eu une régularisation en 2020 de 28 000 euros exactement, au MOPSIA, c'est ça ? Voilà. Ok, merci, c'est noté, Pierre. Il y a une autre question là-dessus ? S'il n'y en a pas, je vous propose d'approuver ces régularisations de crédits scolaires. Pas de vote contre ? Pas d'abstention ? Je peux donner le micro à Paul Barbary pour la pose de témoin. Explique-moi. Je rappelle que la COP s'était engagée sur la restauration des fresques de la collégiale. Voilà, donc il s'agit d'une étude architecturale pour y vérifier la stabilité architecturale du lieu. Donc il s'agit de poser des témoins d'un montant de 500 euros hors taxe ou 600 euros PTC. Et puis le deuxième volet, c'est le vitrail. Un vitrail, on continue la restauration une fois par an, une fois tous les deux ans, d'un vitrail au sein de la collégiale. Donc cette fois-ci, c'est le vitrail intitulé « Colombes du Saint-Esprit au XIXe siècle ». Donc la restauration se fera à chaque fois comme par Thomas Vitraux. Donc le montant est évalué à 1 500 euros environ, hors taxe. Et vous avez donc le montant de l'opération, 2 000. Le montant de la subvention d'État, 700. Et puis la part restauration à charge du propriétaire de la ville, donc de 1 300 euros. 1 299 exactement. Voilà. Voilà, donc double demande de subvention pour la pose de ce témoin de chapelle des pénitents. Témoin, hein, pour évoluer, vous avez compris, le mouvement des parois, on va dire comme ça.
sous la fresque classée et les travaux de restauration, enfin, la continuation des travaux de restauration des vitraux de l'église, bâtiment municipal, je vous le rappelle. Voilà, pas de difficultés là-dessus, pas de vote contre, pas d'abstention, merci. En ce qui concerne le point numéro 13, Oui. Ouais, juste une question, la pose de témoin, c'est un acte qui n'est pas super compliqué. Alors, en gros, c'est pas 500 euros, hein, mais est-ce que c'est pas quelque chose qu'on pourrait faire en internat ? Non, parce qu'il est absolument contrôlé par la DRAC, imposé par la DRAC, avec supervision par l'architecte des bâtiments de France. Alors, si j'en ai tellement marre de m'opposer à l'architecte des bâtiments de France, je vais pas m'emmerder pour une pose de témoin. Non, je plaisante comme ça, mais c'est hyper encadré et on peut pas faire ce qu'on veut. Absolument. Hein. Je vous assure que si on veut toucher des subventions d'aide après pour la restauration de ce. Ça va coûter très cher, il faut absolument qu'on soit hyper rigoureux dans les volontés de la DRAC. On peut, pour tout bêtement, si on ne fait pas ça, soutenu par la DRAC, on risque de perdre, je ne sais pas moi, peut-être 10 000 ou 20 000 euros à la sortie. Donc on fait très attention d'être jugulaire vis-à-vis de la DRAC. Puis la DRAC, c'est un état d'un état. En ce qui concerne le point numéro 13, donc c'est une convention de partenariat que je vous propose de renouveler dans le cadre de ce qu'on appelait la bourse Alexandre Sanchez que nous avions mis en place après le décès malheureux du fils d'Alphonse Sanchez, hein, notre ancien collègue élu, qui est décédé, donc son fils Alexandre est décédé en 2016, brutalement, sur un accident automobile. Et il faisait ses études dans le cadre... du département SATIS, Sciences, Arts et Techniques de l'Image du Son, où il préparait donc la réalisation de films sur le site d'Aubagne, avec l'association Alcim. Ses collègues et l'association et le département SATIS avaient décidé de mettre en place, en la mémoire du jeune Alexandre Sanchez, un prix spécial Alexandre Sanchez, chaque année, faire perdurer effectivement son nom et l'engouement qu'il avait pris sur cette formation pour en devenir, son futur métier. Donc nous avons pris une convention, nous avons été recontactés par l'association et le département SATIS. Il nous semblait inopportun de ne pas continuer cet engagement qui avait été pris voici maintenant presque 5 ans. Et nous avons souhaitons conventionner avec SATIS sur une durée de 2 ans, sur une bourse spéciale annuelle dans le cadre de ce Festival international du film d'Aubagne de 400 euros annuels. Nous avons effectivement écrit à la famille d'Alexandre, et je vais vous lire le courrier que vient de nous adresser Anna et Alphonse Sanchez, donc je vous rappelle l'ancien conseiller municipal et les parents d'Alexandre. C'est avec une profonde émotion que nous avons reçu votre courrier la veille du 23 janvier, date du 5e anniversaire de la disparition tragique de notre Alexandre. Après son départ, nous n'avions pas voulu seulement perpétuer sa mémoire, nous voulions que la force de sa conviction habite et accompagne également tous ces jeunes à la passion dévorante, chevillée au corps comme une nécessité impérieuse. Nous voulions leur dire, vous n'êtes pas seul, vos rêves seront les nôtres. Imaginez, écrivez, filmez, créez, faites-nous rire, pleurer, réfléchir, ensemble, sentons-nous vivants, projetons-nous. Ce message dans la tragédie que nous vivons avec cette pandémie est malheureusement plus que jamais d'actualité. Parlons aux jeunes que la culture sont en danger, bousculés, en manque de repères, questionnés sur leur avenir, sur leur existence même. Vous aviez dès le départ compris et accompagné notre démarche avec une convention venant sceller et pérenniser cette action dès 2018. Le prix Alexandre Sanchez était né. En association avec l'association Alcim et le département SATIS de l'Université d'Aix-Marseille, ce prix vient de chaque année récompenser la première lecture et la réalisation d'un court-métrage dans le cadre du film international d'Aubagne. Vous nous faites part de la volonté de notre commune de continuer cette action. Cela nous paraît plus que jamais nécessaire. Vous avez donc notre consentement familial. Nous tenons à vous remercier ainsi que l'ensemble du conseil municipal pour votre action et notre parti pris pour la jeunesse, la culture et la vie. Nous sommes extrêmement reconnaissants et fiers que le nom d'Alexandre puisse éclairer un peu plus leur chemin. À tous, merci. Voilà ce que m'a adressé Alphonse et Anna Sanchez. Donc, je ne pense pas que ça amène... Si, Pierre. Une question simplement.
conviendra absolument pas remettre en cause la démarche qui nous semble vertueuse. Simplement faire une suggestion éventuelle de proposer à ces équipes, à ces étudiants qui interviennent et préparent ces films, de peut-être venir les présenter d'ailleurs aussi à ton nom dans notre ciné-théâtre, qui serait aussi je pense, une belle occasion de rendre hommage à Alexandre Chanchet. Pour rien vous cacher, c'était prévu. Malheureusement, on voulait le faire en 2020. Hein. Et malheureusement, évidemment, la pandémie nous l'a interdit. Mais oui, ça fera partie à l'occasion ou à l'intégrant, peut-être, dans une autre manifestation, de prévoir et de recevoir l'université d'Aix-en-Provence. Très bien, merci. Donc, ce que je propose, c'est de m'autoriser à signer cette convention. Je suppose pas de votre compte, pas d'abstention. Merci. Je laisse à Laurent Barry à nouveau la parole pour résumer les points que devait élaborer ce soir Mathieu Hagan, malheureusement, qui est absent. Oui, c'est Mathieu qui devait présenter deux délits qui concernent les équipements, on va dire, sportifs et surtout la demande de financement auprès de l'État et de la région. Le premier, c'est ça concerne le gymnase Jeannie Angot, que tout le monde connaît. Mine de rien, il a déjà 22 ans, gymnase, inauguré en 99. Les services ont constaté, et on a constaté, les utilisateurs aussi, qu'il y a pas mal de problèmes liés à l'utilisation, mais aussi à la vétusté du bâtiment. Il y a des fuites, il y a des problèmes de fermeture, il faut changer le chauffe-eau, bref. Et donc, il y aurait besoin d'un gros rafraîchissement. Donc, les services ont évalué montant des travaux à 78 170 euros. Et renseignements pris, on pourrait solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la TETR 2021, à hauteur de 30%, pour 23 451 euros. Et également la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du bonus relance 2021, parce que vous verrez tout de suite après le dossier du City du quartier des Goules, c'est du bonus relance 2020, parce que la région voulait prendre un dossier par an. Et donc la région pourrait, a priori, intervenir sur ces travaux, sur cette demande, à hauteur de 50%, soit 39 085. Du coup, l'autofinancement et donc le reste à charge de la commune serait de 20%, donc sur un plan de financement prévisionnel. Donc ça pourrait, ça s'élèverait à 15 634 euros. Donc on vous demande ce soir d'approuver ce plan de financement de la rénovation du gymnase d'Angot et puis de solliciter ces subventions de la DETR, donc de l'État, et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Y a-t-il des questions ? Et Pierre ? Oui, je vais faire coup double sur la délit 14 et la délit 15. Je vois qu'on a ici des plans de financement qui sont subventionnés à hauteur de 80%, ce qui est satisfaisant pour les finances de la commune. Néanmoins, je m'interroge simplement, je sais que la région est prompte à financer les communes, certaines plus que d'autres, visiblement, vu ce qui a été révélé ces derniers jours. Je vais t'arrêter tout de suite si vous voulez aller sur ce terrain-là, parce que je t'expliquerai comment s'est monté le contrat de mission région à l'agglomération. Du coup, c'était simplement pour savoir si d'autres subventions avaient été sollicitées et d'autres pistes de financement avaient été recherchées, puisqu'a priori, la confirmation absolue de l'intervention de la région ici, quand même, donc voilà. Les deux dossiers ne peuvent pas être financés, notamment dans le cadre des passes territoires départementaux. Donc le seul financeur possible, c'est ou l'État ou la région. Il n'y avait pas de possibilité ailleurs. Là, on est vraiment sur les, ce que disait Laurent, sur les plans de relance régionaux, hein, c'est-à-dire les poches supplémentaires qui ont été rajoutées. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat politique, mais simplement parce que je sais que c'est une expression publique et qu'on voit dans les journaux. Moi, l'argent n'a pas d'odeur, hein, pourvu qu'elle permette de combler, l'engagement financier des... Mais le contrat ambition région, mis en place par une majorité de droite, j'ai tenu personnellement, en tant que président de l'ALO, qu'elle puisse permettre à des communes dromoises et ardéchoises, alors que les dromoises n'y avaient pas droit parce que l'Ardèche avait un plan spécial ruralité, permettre que des communes qui avaient plutôt, une coloration plus rose que bleue, c'est pour simplifier les choses, qu'elles soient également servies, si je puis dire, dans le cadre de la solidarité globale. J'ai été très attentif à ça parce que je sais ce que c'est que le guichet. Hein, j'ai connu ça à une époque départementale très ancienne. On sait comment ça fonctionne, et on sait comment ça continue à fonctionner, d'ailleurs, pour pas que ça continue l'histoire.
Mais toute majorité a tendance à faire ça. Mais je crois que notre responsabilité, nous, en tant que... Enfin, moi, tout au moins, en tant que maire ou président, dans le cas présent de l'agglo, c'est de faire en sorte que voilà, qu'il n'y ait pas de distinction spécifique parce qu'on est plus proche ou plus éloigné de quelqu'un. Non, je me permettais cette question notamment parce que j'ai vu à l'occasion notamment de l'inauguration du CityStack qu'il y avait et le représentant local de la région, Olivier Amran, et le représentant local du département. C'est pour ça que je m'interrogeais sur l'absence du département dans ce plan de financement. Mais là, oui, parce qu'ils ne sont pas allés au financement. Là. D'accord. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. Enfin, alors ce n'était pas l'inauguration, hein, c'était la fin des travaux. L'inauguration va être programmée. Et j'ai souhaité qu'elle soit programmée avec les gens des gamins du quartier, bien sûr, hein, qui sont les premiers utilisateurs, et qui plus est, des associations locales dans plusieurs disciplines qui peuvent être démontrées, si je puis dire, en termes de démonstration sur le CityStack. Et j'ai demandé à Laurent d'avril de caler ça, on va dire, les courants avril, début mai, quoi, dès qu'on pourra, mais peut-être pendant les vacances de Pâques, ça serait pas mal. Là, on inaugurera, et effectivement, les financeurs seront là, quoi. Mais le département n'est pas financeur. Là. D'accord. Je regrette qu'une chose, et je le dis publiquement, c'est qu'on a fait une demande officielle à Ardèche Habitat, parce que quand même, le City est dans un quartier qui profite quand même à 90%, et tant mieux, à la population du quartier. Ils nous ont refusé le financement. C'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes sur la D15, on était d'abord sur la 14. Non, mais ça permettra de... Pour rebondir à ces infos, enfin, voilà, je pense que le groupe Tournant en commun, je pense autant que le groupe Mémé Bratendon, on apprécierait aussi être informé de ces événements qui se tiennent. Et, alors on voit certains élus et pas d'autres, et voilà, sur lesquels on peut se questionner ensuite sur la. Non, mais le maire, il était même pas, c'était une fin de travaux. Hein, c'était, donc, c'est vrai que c'est. Oui, enfin, que le maire, il ne soit pas là pour que le conseiller départemental et le conseiller régional, il soit. Voilà, c'est. Oui. On s'entend sur les. Oui. Par contre, je reviens au mode de financement. Par exemple, sur des dossiers, des gros dossiers comme le port, le Kiffard connaît, le département est venu à la contribution. Vous voyez, je veux dire. Donc, c'est-à-dire, quand on peut aller chercher la poche correspondante sur des financements possibles, envisageables par les collectivités concernées, on le fait, bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet-là, là, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on finit avec le dossier Longo, le fameux bonus relance région, ce qui nous incite un peu à mettre ce dossier, c'est que le bonus relance région, il faut que les dossiers soient prêts et soient prêts à démarrer, puisqu'il faut que ce soit lancé avant le 30 juin. Et c'est vrai qu'on a quand même réfléchi sur d'autres projets d'investissement qui auraient peut-être pu rentrer dans le bonus relance de la région. Il n'y a pas vraiment de dossier prêt pour un délai aussi court. Donc si on peut avoir 50% sur cette grosse rénovation de Longo, ça serait plutôt intéressant. Donc on vous demande ce soir d'approuver ce plan de financement, encore une fois, et nous autoriser à solliciter une subvention auprès de l'État et de la région, et de charger le maire d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'obtention de ces subventions. Pas de votre compte, pas d'abstention. Merci. Merci. Et puis du coup, ben, le point 15, alors par contre là, c'était déjà passé en délibre en juillet 2020, quand on avait été installé, sur le city du quartier des Goules. Un premier projet avait été estimé aux alentours de 25 000 euros. Après l'avoir étudié plus finement, 25 000 euros, c'était vraiment un équipement de base, pas très adapté, j'allais dire, à l'utilisation des jeunes du quartier. Et quitte à faire les choses, autant les faire correctement. Et du coup, on s'est plutôt orienté sur un city un peu plus costaud, avec aussi un revêtement de sol, parce que enfin, un gazon synthétique, il n'y en avait pas dans le projet initial. Donc le projet s'élève à 42 678 euros. Et là aussi, la région, dans le cadre du bonus relance, mais sur 2020, parce qu'il prenait un dossier en 2020, un dossier en 2021, pour intervenir à hauteur de 50%. On avait déjà 5 000 euros de subvention qui avait été attribuée en 2020 au titre de la DZIL. Et là, on demanderait un complément à l'État, soit sur de la DETR, soit sur de la DZIL, à hauteur de 18% pour arriver au final à 30%. Et l'autofinancement serait, comme tout à l'heure, à hauteur de 20%, donc soit 8 637 euros pour la ville. Donc même chose, est-ce que vous autorisez monsieur le maire à accomplir les formalités pour aller chercher ces financements ? Pas de sujet, pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Merci. Je laisse la parole à Xavier pour Jean Aubert pour la police municipale. Alors, dans la perspective de sécuriser l'intégrité physique de nos policiers municipaux,
et également, bien évidemment, de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de travail. Je vous soumets donc le point 16, relatif à l'acquisition et au renouvellement de gilets pare-balles au bénéfice de 3 agents de la police municipale de notre ville. Alors, économiquement parlant, cette dépense s'élève à 2 037 € hors taxes, soit 2 444,40 € TTC. Alors, en parallèle, il vous est proposé d'approuver la demande de subvention auprès de la préfecture au titre du FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance, à hauteur de 50% du montant total, ainsi que d'une aide de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 50% sur le montant restant. Donc, vous le voyez, cette dépense est financée aux 3/4 par les aides et subventions. Des questions par rapport à ce point? On passe au vote? Il n'y en a pas, donc je vous propose de passer au vote pour aller chercher notamment le financement au FIPD. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci Xavier. Alors vous avez maintenant la délibération 17, la délibération 18, 19 et 20, qui sont des régularisations foncières. Alors est-ce que vous voulez que je vous les... Vous les avez toutes sur votre tablette, bien évidemment. C'est des régularisations foncières qui ont été mises en place au moment des travaux d'amélioration de la rue Hélène de Tournon. Elles sont toutes à l'euro symbolique. Hein. Elles concernaient la société Cosmopar, elles concernaient les propriétés de M. Michel Vuitton, de Mme Patricia Vuitton également, et des propriétés qui concernaient les époux Billet. Donc ce sont toutes des régularisations qui ont permis effectivement ou de placer des évacuations d'eau pluviale, des puits d'infiltration ou de travailler les voies piétonnes qui ont été créées sur la ville de Tournon, qui est une belle réalisation en termes de mobilité, réalisée à la fin du mandat dernier. Monsieur Carrel, on pourra s'en inspirer pour les autres lieux. Hein, voilà. Si vous êtes d'accord, je ne vais pas vous les projeter, puis ça pas de... Donc, est-ce que vous êtes d'accord, parce que d'abord, vous n'allez pas vous opposer à des questions foncières, je suppose, à l'euro symbolique. Je vous propose de passer au vote en disant qu'on vote pour l'acquisition foncière au point 17, pas de vote contre, pas d'abstention. Au point 18, même chose, pas de sanction, pas de vote contre. Au point 19, même chose, pas d'abstention, pas de vote contre. Et au point 20, même chose, pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie, ça fait gagner du temps. Ensuite, je vous propose la servitude de passage au point 21. C'est une régularisation de canalisations publiques qui sont dans une parcelle de la SCI Claude Bernard, qui sont existantes depuis pas mal d'années, semble-t-il, qui n'avaient pas été repérées et qui doivent absolument rentrer dans le giron au profit de la ville. Donc je vous propose la mise en place d'une servitude au profit de la ville pour donc ces eaux pluviales et ces eaux usées. Une canalisation, donc une qui est un bâti et une qui a été réalisée en PVC, semble-t-il, dans les années 80 ou 70, au moment où les villages sont construites. Donc je vous propose de régulariser par acteurs antiques, sur une durée perpétuelle, la jouissance de ces canalisations. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté non plus pour cette régularisation. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je vous propose également de vous porter à connaissance, vous l'avez eu sur vos tablettes, du bilan annuel des acquisitions ou des cessions immobilières. Cette année, en 2020, il n'y a eu que une acquisition d'une parcelle là sur un gros puits d'infiltration, rue Hélène Tournon, de 61 mètres carrés à 3 965 €. C'est le seul mouvement financier qu'il y a eu. Donc je vous propose de prendre acte du bilan des acquisitions foncières. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je laisse la parole à Jean-Louis Gaillard concernant le soutien technique aux communes. Le point 23, convention relative au soutien technique aux communes, en fait, c'est le renouvellement de l'aide technique qui est apportée aux communes par un agent de Arche Aglo, sous les domaines techniques, administratifs, montant des marchés à bon de commande,
cadre tarification à la journée, une journée, en fonction du temps, également passé. Vous avez les barèmes qui sont inscrits. Voilà, monsieur. On est tout à fait par ce qu'on parlait tout à l'heure dans l'intervention extérieure de service. Là, c'est dans un service Archambault. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'autorisation de monsieur le maire à signer les conventions de tous les documents afférents. Merci. Ah oui, d'accord. Mais oui, c'est intéressant, la directrice. Donc, ce que vient d'expliquer Jean-Louis et ce qui corrobore ce que disait monsieur Dambre, l'externalisation, là, elle se fait directement avec un service d'Archambault pour éviter d'aller chercher à l'extérieur. On a payé en 2020 879 euros et en 2018-2019 8485 euros. Donc on a une convention cadre et effectivement avec des taux d'intervention de l'ingénieur en question. Voilà. Donc je vous propose d'approuver cette convention et m'autoriser à la signer. Pas de vote contre, pas d'abstention. Je laisse la parole, il faudrait donner le micro le droit, s'il vous plaît, à Ingrid Richoux concernant le réaménagement de l'école de Jean Moulin. Du coup, je vais vous parler de manière générale de la politique de végétalisation des espaces publics qu'on a voulu sur la commune dès le début de ce mandat, et plus particulièrement notre axe prioritaire qui débute sur les cours d'école. L'objectif derrière cette végétalisation, c'est de lutter contre les îlots de chaleur de manière générale, de lutter contre la pollution de l'air et d'assurer une meilleure gestion des eaux pluviales tout en... en améliorant le quotidien de nos citoyens et spécifiquement sur les cours d'école, de contribuer à sensibiliser les enfants aux problématiques environnementales. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, cet objectif de végétaliser les cours d'école, il va s'inscrire dans notre plan pluriannuel d'investissement afin de pouvoir réaliser les cours d'école les unes après les autres. Et on vous propose de commencer en 2021 avec l'école Jean Moulin. L'école Jean Moulin, donc vous l'avez vu sur la note de synthèse, hein, vous va parler un peu, mais c'est également quelque chose qui a été évoqué en commission développement durable et également en commission mixte travaux et scolaires, puisqu'évidemment ce point-là, on a la chance de pouvoir le travailler en équipe avec Jean-Claude Pasté et Jean-Louis Gaillard notamment. Donc sur l'école Jean Moulin, aujourd'hui on a 2500 m² de bitume. Donc l'objectif c'est sur un petit peu plus de la moitié de supprimer ce goudron pour le végétaliser en partie. La seconde partie, donc la végétalisation correspond à la partie verte hein, évidemment, où on voit plusieurs aménagements, des arbres évidemment, mais également des bacs de pour réaliser des potagers, c'était une demande particulière de l'équipe pédagogique. Également des pergolas qu'on aperçoit, trois pergolas qui vont permettre d'ombrager une partie de la cour et permettre éventuellement de faire place en extérieur le temps que les arbres nous permettent un nombre suffisant. Et puis on a gardé une partie en stabilisé pour permettre aux enfants de continuer leurs activités sportives et autres dans la cour. Tout ça avec des haies et des espaces ludiques. Voilà pour la proposition. L'opération globale est estimée à 74 000 euros hors taxe. Le plan de financement de cette opération serait le suivant, à savoir 22 200 euros au titre de la DETR 2021, 15 000 euros au titre de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et de l'appel à projet Rebond eau biodiversité climat 2021, et enfin 36 800 euros hors taxe pour la commune de Tournon en autofinancement. Comme je vous l'ai dit, hein, ce projet a été évoqué aux différentes commissions, et ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'approuver l'avant-projet et le plan de financement de cette opération, d'autoriser le maire ou son représentant à solliciter au titre de la répartition des crédits de la dotation d'équipement des territoires des communes pour l'exercice 2021 et de l'appel à projet Rebond aux biodiversités climat 2020-2021, l'aide financière de l'État et de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Je suis allée au bout, mais je crois que Jean-Claude voulait prendre la parole pour dire un mot. Oui, juste pour dire que le projet a été présenté au conseil d'école et qu'il a eu auprès des parents et de l'équipe éducative en général un avis plus que favorable, je ne vais pas dire très favorable. Bien.
Merci de ces explications. Est-ce qu'il y a des questions? Pascal Diaz. Juste une petite question, puisqu'on avait abordé ça en commission. Quel est aujourd'hui le matériau qui était retenu, même si on est qu'en avant-projet, sur la partie sport, parce qu'il y avait eu des débats en commission là-dessus. Et un petit commentaire, nous aussi, on a trouvé que le travail était très intéressant, que ça allait dans le sens, de la végétalisation de la ville. Donc, on est bien évidemment favorable à ce projet. On parle pour l'instant de stabiliser, et après il y a effectivement des questions de savoir si on peut avoir un stabilisé amélioré, mais ça c'est en train d'être étudié par les entreprises qui pourront intervenir. A minima, stabiliser drainage, quoi qu'il en soit, pour l'infiltration. Pour l'infiltration des eaux pluviales, effectivement. Ok, autre, oui, oui. Non, rapidement, exprimer aussi à notre tour un satisfecit sur la gestion de ce dossier qu'on a trouvé bien mené, intéressant bien sûr sur le fond, qu'on soutient et qu'on espère rapide sur l'ensemble des cours d'école de la commune. Mais voilà, en tout cas, on tenait aussi à saluer le travail sur ce type de dossier. Voilà. Et maintenant, les élus et les services qui les gèrent en face. Très bien, merci. Donc je vous propose d'approuver ce plan de projet, de m'autoriser à solliciter évidemment les financements qui vous ont été évoqués. Pas de vote contre, pas d'abstention. Merci. Je vous propose la modification numéro 3 du plan local d'urbanisme. Vous savez qu'il y a deux modifications qui étaient engagées, qui n'ont pas encore été portées, j'allais dire, à la concertation publique dans le cadre de l'enquête, ce qui sera le cas, je pense, avant l'été. J'ai souhaité d'ailleurs que les services et le chef de service concernés puissent à nouveau, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux élus, lors d'une prochaine commission, représenter les deux premières modifications qui vont être établies. La première étant celle qui est la levée du périmètre d'attente instauré dans le cadre du secteur ITDT pour permettre le développement de l'action sur maintenant la constructibilité et l'accueil. Mais pour ne pas rentrer dans le détail aujourd'hui, donc je pense qu'une commission supplémentaire avant l'enquête publique sera absolument nécessaire. Donc je ne pense pas que la date a été fixée encore, mais elle doit y être prochainement. Ça sera le 6 ou 20, dit-on. Voilà. Par contre, aujourd'hui, la modification numéro 3 concerne tout simplement l'échelle intercommunale, puisque nous devons répondre à une sollicitation du préfet de la Drôme, qui correspond à l'implantation d'un bâtiment de maroquinerie de luxe, c'est l'entreprise Vuitton, qui va s'implanter sur Charmes-sur-la-Basse. Le dossier vient de terminer son enquête publique actuelle, et une fois le rapport de l'enquête publique établi, le dépôt de permis de construire devrait pouvoir se mettre en place d'ici l'été. La consommation agricole correspondant à l'implantation représente 4,2 hectares. Il s'avère qu'effectivement, dans le cadre de la problématique de l'artificialisation des sols agricoles, vous le savez, bientôt d'ailleurs on sera au zéro artificialisation, ce bâtiment ne pouvait pas s'installer parce qu'il n'avait aucune possibilité sur l'ensemble des zones industrielle de l'agglomération. Donc il reste sur un terrain qui n'était pas adapté, si je puis dire, à le recevoir au départ, cette implantation de bâtiments. Pour ce faire, il faut trouver de la compensation. Pour ce faire, évidemment, il a été demandé à Charmes-sur-la-Basse de compenser en partie cette artificialisation. Donc Charmes-sur-la-Basse va modifier son PLU pour relâcher un hectare de zone qui avait une vocation économique. Saint-Donat a fait la même démarche pour dégager 2,2 hectares, pareil, qui avait une vocation économique pour le restituer à l'agriculture, et il restait un hectare à trouver, qu'on a eu du mal à trouver sur les autres communes de l'agglomération. Donc la solidarité jouant, puisque quelque part on est sur le changement de destination de zone dans le domaine industriel, enfin la vocation industrielle, économique, pardon. Ça veut dire que Tournon s'est positionné pour lâcher un hectare qui restera à définir, et on aura l'occasion d'en reparler. Donc nous avons écrit au préfet de la Drôme pour lui indiquer que nous serions dans la démarche d'une modification du PLU pour permettre de reclasser un hectare de zone à vocation économique en zone agricole. Voilà.
qui permet d'arriver à la compensation réelle des 4,2 hectares qui auraient été prélevés sur l'agglomération. Donc ça, c'est le contenu résumé de la délibération que vous avez sous les yeux. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, mais bon, ça ne fait pas effectivement... Mais, encore une fois, comme on est à l'échelle intercommunale, parce qu'on est sur des zones à vocation économique, mais que les PLU sont régis par les communes, il va de soi que la délibération qui a été prise en agglomération, je ne sais même plus si je l'ai prise ou si où elle, je vais la prendre, j'ai un trou de mémoire. Enfin bon, peu importe. Vous n'en souvenez pas, les élus communautaires, je crois qu'elle n'est pas passée. Il faut bien que le PLU soit modifié pour pouvoir aller sur l'orientation de cette modification. S'il n'y a pas de questions, donc je vous propose d'approuver la proposition de déclasser la compensation à hauteur de 1 hectare en zone agricole et d'inscrire la modification du droit commun du numéro 3 au plan local d'urbanisme concernant cette modification. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. L'autre point, mais que je pense, c'est tout simplement la dernière phase, j'allais dire, avant la phase dite opérationnelle du site, hein, qui devrait pouvoir se développer à partir de 2023-2024. C'est la fin de la dépollution des sols, c'est-à-dire l'enlèvement de la grosse dalle béton qui supportait l'ensemble de l'usine sur la totalité, qui fait à peu près 2 hectares, hein, si quand vous voyez on le voit actuellement quand on regarde le site, et puis la dépollution qui est dessous, donc sur la zone dite reconstructive, on va le dire comme ça, ceci amène un engagement financier complémentaire à hauteur de 1 million d'euros, qui est inférieur à celui qui avait été estimé au départ, qui était presque à 3 millions d'euros, donc ça c'est déjà plutôt une bonne nouvelle. Sur ces 1 million d'euros, il y a 800 000 euros qui correspondent à la démolition et à l'évacuation de la dalle polluée, et il y a 200 000 euros de travaux d'extraction, de travail de dépollution du sol. Ceci se rajoute avec l'ensemble des coûts qui étaient engagés dans le cadre de la démolition, dans le cadre du désamiantage et de la dépollution du bâtiment qui a été fait, voilà, voici maintenant presque 2 ans. Et ceci amène du coup à une modification de l'engagement financier qui, je vous le rappelle, est à parité entre la ville et l'agglomération pour le remboursement de ces coûts engagés par EPORA, qui pour l'instant reste évidemment propriétaire du site. Donc il est prévu, si vous voulez, il était prévu 4 remboursements de 550 000 euros annuels, c'est-à-dire une charge, regardez bien sur une charge financière de 275 000 euros par collectivité annuelle. Et le fait de rentrer ce nouvel engagement sur la dépollution des sols rajouterait une année supplémentaire sur les mêmes bases, c'est-à-dire jusqu'en 2024. Évidemment, en parallèle, a été lancé un dossier avec les services de l'État, avec y compris d'ailleurs le plan régional, pour aller chercher des financements sur les aides à la dépollution des sites dits industriels. On a bon espoir, effectivement, de pouvoir essayer de gratter 1 million, 1,2 million de subventions, ce que j'espère, ce qui du coup diminuerait d'autant la charge résiduelle qu'il reste à rembourser par les collectivités. Ça veut dire qu'après, on aura à décider si on garde la même charge de remboursement annuel, mais sur un temps plus court, ou si au contraire, on la garde sur la longueur et on diminue le remboursement annuel. C'est la préparation budgétaire, évidemment, qu'on aura à faire dans le cadre du PPI, dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour dire que la reconversion de ce site, hein, on avait tous peut-être de bonnes idées pendant la période électorale, je me souviens, et la reconversion de ce site, elle est compliquée, elle est coûteuse, elle est longue. On parlera et on aura l'occasion, évidemment, d'échanger sur les modalités possibles de la dépollution, alors là, de la partie dite végétale, plutôt environnementale, on va dire, du site, hein, qui représente 3 hectares et demi, qui pourrait devenir, effectivement, à terme, un parc très intéressant à l'embouchure du Doubs et du Rhône, mais là aussi, où il va y avoir, effectivement, un engagement financier, alors sur des modes opératoires qui vous ont déjà peut-être été présentés, il me semble, par Thomas Bizet une fois, là, quand même ici, tant que je me souvienne, mais du coup, on le reprécisera, mais ça, c'est un autre volet. Le volet d'aujourd'hui, il est simplement de dire, on met en place un addendum à la convention opérationnelle avec EPORA, dans le cadre de ce dernier coup maintenant, et puis dans le cadre du calage du bilan opérationnel des travaux de démolition, dépollution, déconstruction.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y en a pas, donc je vous propose d'approuver cet avenant et de m'autoriser à signer l'engagement de la commune. Pas de vote contre, pas d'abstention, merci. Je vous propose tout simplement une motion que vous avez sur votre tablette, alors je ne vais peut-être pas vous la relire, qui nous a été demandée par Tel Hermitage, qui risque, qui a peur de perdre l'ouverture au public de son guichet. Guichet, évidemment, SNCF à la gare, quand on sait le poids intéressant que représente la gare SNCF sur notre bassin de vie, quand on sait l'intermodalité de relations entre les cars, la gare, et j'allais dire même tout un chacun en mobilité douce pour aller prendre le train en direction de Lyon, par exemple. Je pense qu'effectivement, la pénalisation de mettre un guichet automatique, hein, parce que c'est comme ça qu'à mon avis, c'est en train de se transformer, pas pris une motion, nous a fait passer le contenu de la motion pour essayer d'influer effectivement la direction de la SNCF. Mais ils ont déjà fermé des guichets, enfin la direction a déjà fermé des guichets à Saint-Vallier, à Saint-Rambert-d'Albon. Évidemment, ils sont en train de continuer. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un lieu pieux de lancer une motion comme ça, mais je pense qu'il aurait été de mauvais aloi de se désolidariser de cette action quand même du bassin de vie. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une gare, il y en a tellement qui se sont fermés et qu'on souhaite tous qu'elle se réouvre en partie. Et si on pouvait l'aspirer côté sur la rive droite du Rhône, ça serait bien. On a une belle gare, tout le monde qui demanderait qu'à être restaurée. On a un petit morceau qui va s'ouvrir vers le Teil en direction de la liaison vers la ligne gauche, si je puis dire. Mais je pense que si on parlait des grands plans d'investissement nationaux, ça pourrait faire partie des opérations intéressantes, si on veut régler une partie de la mobilité, hein, parce que le train est quand même une véritable opportunité. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de demander expressément à la SNCF de maintenir, voire d'augmenter l'amplitude d'ouverture du public des guichets, de proposer à l'ensemble des conseils municipaux d'adopter une motion de soutien au maintien des guichets. Oui, bien. Oui, simplement un petit commentaire sur cette proposition, bien sûr qu'on soutiendra ardemment, on soutient bien sûr avec le tournant commun les services publics, on soutient encore plus aussi la nécessité et du contact humain dans ces services publics, parce qu'on sait que tous les publics ne sont pas forcément bien à l'aise avec tout ce qui est de l'ordre des machines, du numérique, etc. Donc, pour qu'un service qui, comme le train, qui, comme ce service qui a vocation aussi à désengorger, notamment les routes, puisse continuer à fonctionner, bien fonctionner avec un service de qualité, bien évidemment, on soutient les revendications de cette motion. Effectivement, vous disiez sur la question et l'éventualité, l'opportunité même du retour du train de voyageurs en rive droite. Il semblerait peut-être opportun aussi de peut-être présenter une motion qui à nouveau rappelle, peut-être ça a déjà été fait, mais je pense que ce serait bien de le faire à nouveau et pas effectivement que ça reste au simple stade du commentaire en conseil municipal, mais vraiment qu'on prenne à son tour une motion qui demande le retour du train sur la rive droite, étant donné que la meilleure... Nous avions en son temps, je ne sais plus quelle année d'ailleurs, voté une motion correspondant à cela, sur une motion globale de la rive droite du Rhône d'ailleurs. Mais moi je suis prêt à relancer le sujet, il n'y a aucun problème. Je pense que là aussi, stratégiquement, je le dis souvent, c'est une erreur qui n'est plus de guerre à tout le monde. Voilà. Étant donné qu'il y a prochainement des élections, il sera bon peut-être à l'orée du nouveau mandat. Oui, mais là je crois que c'est même plus un problème de droite-gauche, si je peux me permettre. Non, parce qu'on voit bien. Mais je dis le nouveau mandat, je ne sais pas qui sera. On voit bien qu'il y a une dynamique en direction du rail, et tant mieux, puisqu'il y a des nouvelles ouvertures, notamment près de la Savoie, la Haute-Savoie, c'est intéressant quand même. Grâce au combat aussi des élus des choix, notamment François Jacquard aussi. Oui, le Jacquard, que je connais bien, a toujours été investi, il est conseiller régional, il a fait partie d'une majorité qui n'a pas réussi à réouvrir des lignes sur la rive gauche à l'époque, dans sa majorité. Maintenant, ça marche du côté de notre majorité, comme quoi, des fois, on est mieux servi par ses opposants, mais l'important, c'est de poursuivre les dossiers. Tout à fait. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour ça au-delà des clivages, peut-être la rentrée sera le moment opportun pour... Tout à fait, mais on pourra s'exprimer pendant la période, si les élections ont lieu en juin, ce qui est moins sûr. Oui, mais je parle en tant que conseiller municipal et pas en tant que tout à individu fait. Et militant. J'entends bien. Merci. On a voté ou pas? Non. Donc, je vous propose de prendre cette motion. Pas de problème, pas de vote contre, pas d'abstention. Ok, on a terminé les points à l'ordre du jour du conseil municipal.
je voudrais vous rappeler les dates du prochain conseil municipal qui aura lieu le 15 avril prochain, c'est un jeudi à 19h, ici même. La commission des finances aura lieu le 7 avril à 19h, Laurent vous l'a rappelé tout à l'heure. Alors, vous êtes marqué en visioconférence, vous la gardez encore en visioconférence? Je ne suis pas très chaud sur le budget, moi j'aimerais bien qu'on se retrouve, pas moi d'ailleurs parce que je parle trop, mais qu'on se retrouve configuration bugne à bugne, comme on dit. Moi je préfère. On verra ce que nous dit Castex. Le 1er avril, moi je compte sur vous, le 1er avril, c'est un jeudi, et c'est pas un poisson, à 18h30, ici même, on est censé se retrouver dans le cadre de la fabrication du projet de territoire de l'agglomération. À mon avis, c'est un point essentiel. J'ai pris l'engagement, alors avec le bureau exécutif, de pouvoir lancer à partir de la mi-avril, qui sera d'ailleurs délibéré en conseil communautaire, le lancement d'un projet de territoire sur le mandat, évidemment de l'agglomération, mais au-delà, on va dire sur les dix bonnes années à venir, au-delà du mandat. L'engagement que j'ai pris aussi, c'est que ce ne sera pas qu'un travail de conseiller communautaire, mais de l'ensemble des 700 conseillers municipaux de l'agglomération. Pour ce faire, j'ai pris l'initiative, et j'ai quelques vice-présidents qui me suivent régulièrement, de rencontrer toutes les communes, à la fois pour présenter la méthodologie, si je puis dire, présenter l'ambition qu'on peut mettre sur un travail comme cela. On fait le tour de toutes les communes tous les soirs, il y en a 41, j'ai dû en faire une quinzaine, il y en a une ou deux qui se sont groupés, c'est mieux. On a arrêté la date du 1er avril. Si vous pouviez être là, majorité comme opposition, en plus grand nombre, c'est important parce qu'encore une fois, le rôle de la ville-centre sur les orientations, les souhaits et les possibilités qu'on aurait de faire évoluer notre territoire, qui n'est pas une île au milieu du reste, hein. Il faut tenir compte de tout ce qui se passe autour de nous, hein, et notamment de la langue agglo, du Valence romain. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une expression publique au départ de ce travail, qui sera ensuite suivi, évidemment, d'un travail régulier qui va durer pas moins d'une année. Voilà. Donc le 1er avril à 18h30. Et le 30 avril, on en parlait tout à l'heure en réponse à Pierre Guichard, aura lieu l'inauguration de la place du Kifarconé. On a pris soin de faire le tour de tous les financeurs et des entreprises, bien sûr, qui ont travaillé, pour qu'ils soient présents. Et je voulais vraiment déconnecter ce rendez-vous d'inauguration qu'on n'a pas pu faire en 2020. Mais après tout, quand on est bien financé, il faut savoir rendre à César quand même au moins la politesse. Je voulais le déconnecter de la période, préélectorale des élections régionales, notamment, et départementales. Donc, elle aura lieu le vendredi 30 avril à 11h, sur le Kifarconé. S'il pleuvait, on verra comment on fait. On mettra le bandeau, on se débrouillera. Il ne pleuvra pas. Voilà. Donc, mais on vous redonnera ces dates, hein, bien sûr, très précisément. Je voulais vous informer que, par arrêté, j'ai pris la décision de mettre en place, comme conseiller municipal délégué à la promotion de la ville, à la communication et au renforcement du numérique, puisque maintenant on a mis la cellule communication en place depuis le début de l'année, et j'ai décidé de nommer Jérôme Baudin, ici présent, que vous connaissez tous, qui est plein d'élan et plein d'entrain, afin qu'il puisse prendre en charge la définition de la stratégie globale des communications, le développement des outils favorisant cette communication, la coordination des actions de communication, et le développement de la fibre notamment, et puis le développement de la stratégie d'accueil autour des tiers-lieux, des espaces de travail, des fab labs, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, sous le commandement du sixième adjoint qui est Paul Barbary, qui a à ses côtés déjà Valina Fort dans le cadre de sa délégation sur le jumelage et l'attractivité touristique. Voilà, donc bienvenue, merci. Bienvenue Jérôme. Deux mots, un sur le Covid-19, la Covid-19, pardon. Il y a une opération de dépistage et de sensibilisation pour les usagers qui a lieu mercredi prochain, 24 mars, de 8h30 à 13h à la salle Georges Brassens. Il y aura notamment sur le marché, ils vont mettre une espèce de grand barnum pour attirer les gens qui viennent se faire dépister. C'est les médiateurs du service départemental d'incendie et de secours qui mettent en place cette opération.
Le centre de vaccination, vous le savez, a démarré depuis mardi matin dans l'annexe de la salle Longo. Il a plutôt bien démarré, à la fois, je tiendrai d'ailleurs vraiment à remercier d'abord la préfecture qui a su nous entendre. Hein. Je vous souvenez, j'avais réclamé depuis 3 mois et je pensais que c'était une erreur de ne pas avoir installé rapidement le centre de vaccination chez nous. Ils ont fini par nous écouter. L'hôpital s'est mis en configuration d'action avec la coordination de cette opération, avec évidemment à ses côtés la directrice des services, de façon qu'on soit de concert sur une action forte, avec quelques difficultés, je ne vous le cache pas, avec la compréhension qu'on peut avoir de la stratégie de la RSO. Voilà. Toujours est-il que ça a démarré, avec quand même de nombreux médecins et infirmiers et infirmières qui se sont mis sur la liste d'attente, ce qui fait qu'il y a un roulement qui est établi, qui est bien parti. Il y a 360 doses par semaine à l'heure actuelle, sur 3 jours d'ouverture, le mardi, le jeudi et le vendredi. Dans 15 jours, on va passer à 450 doses, avec certainement après une ouverture d'un jour supplémentaire. Et on a obtenu, j'ai eu confirmation par M. le préfet, voici maintenant 48 heures, que la ville de Thun, dans un premier temps, et le bassin de ville dans un deuxième temps, serait concernée par la vaccination, qui était une demande aussi de nos témoins qui ont que pour nous traverser. Mais il fallait d'abord épurer la fameuse liste des plus de 75 ans, ce qui est en train de se faire sous les 15 jours à venir. Pour résumer, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont contribué à cette mise en place. Alors, on ne sait pas sur la durée ce que ça va donner, on est sur le vaccin Moderna, pour l'instant. On ne sait pas sur la durée ce que ça va donner, si on aura... après, une fois que l'activité aura repris à l'embauche, je ne sais même pas d'ailleurs comment on va travailler, mais bon, chaque jour suffit sa peine. Les élections départementales, je vous les rappelle, pour l'instant, elles sont fixées au 13 et 20 juin. Hein, c'est une obligation pour chaque élu d'être présent au bureau de vote, hein, je vous le rappelle. Donc, ne partez pas en week-end ces deux jours-là, même s'il y a de fortes chances, peut-être, qu'elles soient encore à nouveau déplacées. Je pouvais vous dire d'autres choses moins intéressantes pour l'instant. Après, j'ai eu quelques questions. De alors, Pascal Diaz, qui m'a posé la question, là, je n'ai pas compris, donc peut-être qu'il va préciser, une demande d'amélioration de la démocratie participative. C'est un mot, mais... C'était pour laisser un peu le suspense, ce qu'il y avait derrière. Donc, en gros, là, j'ai posé 2 questions, mais comme le temps il est tard, je vais les mettre les deux dans la même intervention. Alors, nous sommes bien conscients que la période est très complexifiée par la crise sanitaire et que tout est plus difficile, faire des commissions municipales physiques, des séances de concertation ou tout simplement se rencontrer. C'est sûrement le cas aussi pour monter des dossiers sur les projets locaux. Pour autant, l'équipe municipale a passé beaucoup de messages en début de mandat montrant qu'elle voulait impliquer les deux groupes minoritaires et la concertation aurait par exemple eu lieu au moment du règlement intérieur. De notre côté, nous avons mis un point d'honneur à faire des interventions constructives, à faire des propositions concrètes, en ne cherchant pas à faire du buzz sur telle ou telle critique. Avec le temps, avec l'annulation de beaucoup de réunions de commission, nous avons des difficultés à obtenir des informations. Même si la période est compliquée, si dans les discours, particulièrement ce soir, monsieur le maire, quand vous parlez de nous impliquer dans les groupes de travail, vous êtes convaincant, on vous donnerait même le bon Dieu sans confession, et dans les faits, on se sent un peu à l'écart. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, Archaglo, il y a une commission des finances, il y a un conseil des maires qui fait office de commission des finances, donc nous sommes ni présents, ni destinataires. C'est faux. Non, on n'est pas présent et on n'est pas un destinataire des comptes rendus. Si. En tout cas, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Alors, si vous ne l'avez pas eu aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il n'est pas arrivé, mais ce que je veux dire par là, c'est que la commission des finances à l'agglo, afin que tous les maires puissent y être, parce que vous savez que tous les maires ne sont pas en agglomération, on a décidé de la grouper avec la commission des finances, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont là, parce qu'il faut savoir qu'on a vécu un dernier mandat à la commission des finances de l'agglo où il y avait 4 ou 5 personnes. Donc, excusez-moi, mais c'est peu pour représenter la 41 commune. Donc, ce qu'on a simplement dit, c'est que ceux qui sont intéressés par les finances publiques, et il y avait d'ailleurs Madame Eldegrière, comment elle s'appelle, de Glon, qui était présente, un ou 2 élus qui ne sont pas maires, qui étaient présents. Donc, vous pouvez y aller sans problème. Hein. C'est fait pour ça, hein, la commission. Mais pour l'instant, c'est le Conseil des maires. Donc, on n'est pas invité au Conseil des maires. Donc, on peut venir. Bien sûr. On peut venir. Mais vous ne m'avez pas écouté quand je l'ai dit en Conseil communautaire. Plusieurs fois, je l'ai répété. Plusieurs fois, je l'ai répété.
Ah, je ne l'ai pas entendu comme ça. J'ai entendu qu'on aurait des séances. Je me suis suffisamment fait critiquer pour dire qu'il n'y avait pas de commission des finances pour avoir expliqué maintes et maintes fois qu'elle était élargie aux gens qui étaient intéressés par les finances publiques. Mais alors à ce moment-là, il faut être convoqué si on peut y aller, parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'elle a lieu. Mais bon, écoutez, moi le message c'est de dire que ça s'améliore. Je ne cherche pas à polémiquer. Donc j'ai le message entendu. Non mais je ne vais pas vous expliquer l'Europe ce soir de la Glo, parce que non, mais, juste pour dire, on parle de finances, c'est important pour nous d'avoir quelques images sur ce qui se passe au niveau de la Glo. C'est le point numéro 1. Point numéro 2, on en a parlé tout à l'heure, c'est le schéma directeur cyclable. Donc on a appris aujourd'hui qu'il y avait une réunion sur le sujet, mais avant aujourd'hui, on était un peu frustrés qu'il y ait des réunions qui se déroulent au niveau de la Glo avec des conseillers municipaux tourdonnés, sans qu'on puisse être concerté et apporter nos idées au débat. Donc on a bien noté que là aussi, il y avait une réunion, mais on ne veut pas arriver trop tard. On aimerait pouvoir être là au moment de la construction du projet, parce qu'on a envie de s'investir. Et je terminerai en disant que j'ai entendu aujourd'hui et ce soir, et je remercie Laurent et je vous remercie, que s'il y a la possibilité d'avoir un groupe de travail sur Dexia, on a, Jean-Claude Carrel et moi, un peu d'expérience sur les domaines juridiques et financiers. On aimerait pouvoir s'investir et contribuer. Voilà, c'est ça qu'on appelle la démocratie participative. C'est pas une critique, c'est une demande, un débat. On peut ne pas être complètement d'accord, mais on a envie de s'impliquer, d'essayer d'apporter notre petite pierre. Non mais, en ce qui concerne le travail qui peut être fait sur des orientations financières, le travail au travers d'un emprunt, celui dont on parlait tout à l'heure, ce travail, il se discute à l'intérieur de la commission des finances, sans problème, il est tout à fait transparent. C'est-à-dire les éléments que nous allons pouvoir récupérer d'analyse qui pourraient être faits complémentaires à tout ce qui a été fait pendant 10 ans, parce que ça ne sort pas du chapeau, seront portés à connaissance, il n'y a aucun problème. Là-dessus, je fais confiance à Laurent Meurier pour vous l'apporter, ça. Juste le message, vu de là où on est, comme il y a cette crise sanitaire, c'est compliqué de se rencontrer, de s'échanger. Donc nous, on demande juste, si c'est possible de temps en temps, d'avoir des groupes de travail où on est invité, où on peut donc échanger et participer. C'est tout. C'est encore plus compliqué pour moi, vous imaginez bien. Le seul, parce que vous disiez la commission sur annulée, non, il y a eu un groupe de travail mobilité qui a été repoussé, parce que le bureau d'études nous a fait faux bon. C'est le seul. Sinon, il faut bien distinguer le travail qui va être fait à Tournon dans le cadre de la mobilité, et notamment sur la problématique liée au déplacement, et le travail qui est fait au niveau de l'agglo sur le schéma global. Par contre, une fois que ce schéma global sera travaillé, et vous faites partie du groupe, je crois, des élus qui travaillent le sujet à l'agglo, ça veut dire qu'on aura, nous, ce travail complémentaire à faire avec l'agglomération pour voir comment on peut se raccorder, comment on peut... Mais c'est pas aussi... comment vous dire ? Je prends deux exemples pour dire que le travail est long, quoi, et pour revenir sur deux sujets à l'agglomération. Le premier, la voie qui va relayer la Via Rhôna à la gare de Saint-Jean-Musol. Projet lancé voici 4 ans. 4 ans. On n'est encore pas à la fin des acquisitions. On vient de terminer simplement la négociation avec le train de l'Ardèche pour pouvoir trouver le bon emplacement pour permettre à cette voie d'arriver à la gare de Saint-Jean. 4 ans. Donc pour dire que l'impatience est difficile après à juguler. Hein. Deuxième point, un magnifique projet qui était la relation entre la Via Rhôna et la voie bleue de Rhône-Crusol. Au-delà de Glan, voyez, entre Châteaubourg et Glan. On ne va pas y arriver. On a une opposition drastique des services de l'État à cause de l'inondabilité, une opposition de la CNR. C'est-à-dire que sur la table, il faudrait faire un pont, il faudrait mettre grosso modo 3 millions d'euros pour arriver à faire le raccordement. Donc ça veut dire que, vous voyez, alors que c'est un travail qui a été entrepris voici plus de 4 ans. Bon, le travail tournonné, lui, c'est un travail petite maille, si vous voulez. Mais à la fois aussi, après avoir arrêté les grandes orientations de stationnement, notamment futures, à venir, à conforter par rapport à ce qui existe, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord. Mais je voulais juste vous dire que nous, on est minoritaire, on est 5 conseillers municipaux, et donc on n'a pas tous les éléments. Si, dans les discours, on entend et on veut vous impliquer, tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. On dit, c'est pas facile dans les faits, c'est juste ce message d'alerte que je voulais vous signaler. Il n'y a rien de grave, on a envie d'être plus impliqué. Voilà ce message. Voilà. Mais quant à l'agglo, je veux dire, avoir tous les éléments budgétaires, c'est facile, sachant que l'Europe a lieu le 24 mars, hein, la semaine prochaine. Juste. Oui. Excusez-moi. Oui. Juste à propos, très brièvement, parce qu'il est tard, et sur les deux exemples que vous citez, c'est-à-dire la route de Châteaubourg et puis la,
l'accès à la gare route, la gare SNCF, de, pas SNCF, excusez-moi, le Mastro. Oui. C'est vrai que dans ces commissions, pour l'instant, depuis juillet qu'on est élu, enfin moi je suis nouvel élu, on n'a pas parlé de ça. Et bon, là, je l'apprends aujourd'hui certaines choses, comme notamment Châteauroux. Pour le passage. Si je vous donne ces deux exemples. Je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'il y a quand même 9 mois qui s'est écoulé. Parce que ces deux exemples que je viens de vous citer, ce sont deux exemples qui étaient complètement sur les rails depuis les 3 dernières années du mandat, c'est-à-dire la création de l'agglomération. On était au bout du chemin. Et là, on a maintenant alors résolu à peu près le problème qui concerne la liaison avec le train d'Ardèche, même s'il reste quelques acquisitions. Donc vous allez l'avoir porté à connaissance au niveau de la commission, et la commission va terminer maintenant le travail de positionnement réel du cheminement. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, l'autre projet, il était ficelé. Il était entièrement ficelé. Personne, ni même pas les services de l'État, nous avait bloqué le sujet. Et là, c'est tombé comme une sentence. Voici maintenant 15 jours. C'est pour ça que je l'ai en mémoire, que je vous le cite tout de suite. Hein, vous voyez? Donc c'est pas aussi facile qu'on peut l'imaginer. Quoi. C'est pas aussi limpide, que... Comme vous voulez le croire. Voilà. Mais j'entends ce que vous dites, et s'il faut renforcer ce travail partenarial, et ça engage tous les élus, hein, et pas que le maire, hein. Il faut y aller, hein. Il n'y a aucun problème. Pierre Guichard a posé une question, alors bon, oui, je comprends bien, aujourd'hui on est le 18 mars, c'est considéré comme le 150e anniversaire de la Commune de Paris. Vous avez posé une question pour dire qu'effectivement, en deux mots, je résume, ça serait bien de faire un milieu silence pour commémorer ce moment, ça serait bien de éventuellement modifier le nom de la routière. Voilà, bon. Je suis pas sûr que sur ces réponses-là, ou tout au moins sur la première partie de la réponse, on puisse s'engager aussi fermement, sachant que même la ville de Paris ne s'est pas complètement engagée, notamment sur le cas de la ville du silence, mais ça c'est extrêmement anecdotique. Moi, ce que j'aurais simplement rappelé, si on refait un peu l'histoire et très rapidement, la fameuse assemblée royaliste, qui était le fameux gouvernement provisoire en 1871, était en place au moment où la France était occupée par les Prussiens, Paris assiégé, Paris qui était d'ailleurs affamé, hein, puisque vraiment les Parisiens souffraient, la guerre était sur la totalité du territoire. Il y a eu discordance à un moment donné, historiquement, entre la volonté des députés parisiens, qui était de dire on refuse un traité de paix qui avait été proposé par Adolphe Thiers à l'époque, et on veut continuer la guerre, et la province, on va dire les plus ruraux, qui eux voulaient la paix. Quoi. Là, il y a eu discordance à un moment donné. La Gronde a commencé à. Alors, je ne rentre pas sur les détails, hein, les récupérations des canons qui avaient été cachés. Pour éviter que les Prussiens les piquent, donc le début, j'allais dire, des affrontements entre les fédérés et les forces gouvernementales de l'époque. L'Assemblée a été transférée à Versailles, et là, ça a commencé à mettre le feu aux poudres. Hein. On est bien d'accord que l'explosion générale a eu lieu, des élections municipales ont été organisées, la victoire de la gauche à ce moment-là a été actée, et l'Assemblée s'est érigée en commune de Paris, hein, comme elle l'avait été. Sous les affrontements qui avaient eu lieu à Lyon, à Bordeaux, en fait, dans de très grandes villes françaises de l'époque. Les journaux hostiles ont été interdits, les clubs révolutionnaires ont été fondés à ce moment-là, hein, bien sûr. Et évidemment, il y a commencé à y avoir les premières arrestations, il y a même 200 ecclésiastiques qui ont été arrêtés, puis exécutés après. Thiers, lui, a chargé le général MacMahon de charger la foule, hein, si je puis dire, et de combattre l'insurrection, on va dire comme ça, donc par la répression, ça c'est clair. À partir du 21 mai, c'est la fameuse semaine sanglante, hein, où là, les Tuileries, le Palais Royal, je ne sais plus quel bâtiment encore, l'Hôtel de Ville de Paris ont été incendiés. Là, on est parti, et le résultat, c'est 1000 morts du côté des forces gouvernementales, 3000 morts d'insurgés, 3000 morts, 4500. Non, écoutez-moi 30 secondes. Je vais finir, après je vous laisse la parole. 3000 morts d'insurgés, 4500 personnes qui ont été déportées en Nouvelle-Calédonie et 11 000 personnes qui ont été emprisonnées et qui ont été exécutées. Donc ça fait au total peut-être bien 40 000. Voilà le détail à peu près. Hein. Moi, je ne porte pas de jugement sur le fait de dire que, certes, la répression sanglante a été inadmissible dans cette période-là.
Je porte simplement sur le fait de dire qu'on ne peut pas commémorer tous les actes de notre vie historique. Il y a le 14 juillet qui est commémoré. On peut penser qu'à l'époque, la nation a préféré marquer le coup sur un moment révolutionnaire, mais un moment de construction aussi. Je dirais simplement, moi, en terminant, c'est que, pour moi, on peut toujours discuter sur l'action répressive de Thiers, et pour moi, je n'y contribue pas du tout. J'ai été le premier à souhaiter que la routière soit plus la routière. Vous voyez, je préfère qu'il s'appelle Camille de Tournon, qui est un formidable architecte, empereur de Rome, qui a marqué notre ville, qui aurait pu être... Mais si je me mets en disant tout simplement, et pour en conclure, on pourra toujours discuter de l'action répressive de Thiers, et c'est le cas, comme un crime contre la démocratie. Moi, je le qualifie comme cela. Vous voyez ? Mais en la dissociant de la révolution, parce qu'on était au-delà de la révolution. La répression de la Commune a permis l'instauration de la République. Voilà. Et c'est la force, effectivement, de cette fin sanglante, malheureuse, sanglante de cette période-là. Et puis sur le deuxième point, la rue Thiers, qui fait 150 mètres de long, a été construite en 1810. J'ai retrouvé ça dans les archives de Madame Thiébault. Un an après, d'ailleurs, la ville avait acheté le château de Tournon, était complètement ruiné. Ils n'avaient pas d'emprunt toxique, mais ils n'avaient plus d'argent de caisse. Et ils ont effectivement démoli, acheté des maisons, exproprié, cassé les remparts de la rue des Barils, enfin bref, pour créer la rue qui, en septembre 1814, après la chute de Napoléon, le comte d'Artois, qui était le frère du roi, qui devait être Louis XVIII, hein, si j'ai bonne mémoire, a été accueilli en grande pompe à Tournon, et ils ont prénommé la rue d'Artois. Voilà. Et le maire, qui s'appelait Portail à l'époque, ce que je ne savais pas, Portail, a baptisé cette rue. Et elle a été restée rue d'Artois jusqu'en 1879. Sous la Troisième République, c'est Jules Grévy qui a décidé de modifier les rues à caractère, de supprimer les rues à caractère religieux et féodal. Et la rue est devenue rue Thiers en 1880. Voilà. Voilà exactement l'histoire de la rue Thiers. Moi, personnellement, travailler... qu'une commission travaille sur le sujet de la revisite de certaines rues, hein, parce que pourquoi celle-ci et pas une autre, hein, il y en a d'autres, hein, sur lesquelles on pourrait effectivement marquer des gens qui ont des tournonnés, tout au moins, qui ont marqué notre histoire. Ça, c'est un travail qui peut être entrepris. Il faut savoir que modifier ou rebaptiser une rue, c'est hyper compliqué, quoi. On rentre là dans effectivement l'acceptation des gens qui l'habitent, hein, il y a quand même consultation. C'était pas forcément la demande propre, je me permets. Oui, non, mais c'est le postulat de départ depuis tout à l'heure. Je résume, j'en arrête là. J'étais un peu long d'ailleurs, mais comme vous m'aviez écrit là-dessus, je voulais vous répondre. Mais je vous laisse la parole. Oui, bah merci déjà de prendre autant de temps pour discuter de ce sujet ce soir. Je pense que c'est important, certes. C'est pas un sujet proprement direct à la commune de Tournon. Néanmoins, ça forge notre histoire. C'est un événement. Marquant, qui, comme je disais dans la question que je posais, a été animé par un élan républicain, démocratique et laïque, qui a posé les principes de beaucoup de ce que nous défendons, je pense, collectivement aujourd'hui. L'école gratuite, laïque et obligatoire, même déjà 200 ans en avance, 150 ans en avance pour le coup, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Voilà, la séparation des églises et de l'État, c'est des choses qui aujourd'hui font de nos sociétés, la manière dont on fonctionne, y compris localement à la commune de Tournon. Donc, merci de prendre ce temps, d'avoir aussi récapitulé. On a bien compris, je pense, et tout le monde le sait, que ça a été une période de particulièrement trouble. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'elle soit quand même reconnue à sa juste valeur, parce que longtemps, elle a été oubliée, et on pense que... À travers tous ces grands principes et grandes idées que je viens de citer, elles méritent davantage de lumière. Et c'est d'un point de vue citoyen quelque chose qui nous semble tout à fait salutaire. Et ensuite, pour ce qui concerne le baptême, débaptême, rebaptême d'une rue ou pas, déjà le premier effort qu'on a à faire, c'est celui d'une démocratisation, d'une explication aussi, d'une contextualisation. Et c'est quelque chose qui, à minima, peut-être sans aller jusque... au nouveau baptême de cette rue doit être fait, et doit être fait certainement aussi dans d'autres rues. Et voilà, c'est tout ce qui fait notre histoire collective, qui nous construit et fait ce qu'on est aujourd'hui, et ce pourquoi on est beaucoup ici aujourd'hui à s'être engagé et à pouvoir le faire dans une telle assemblée. Donc voilà, la question, elle était voilà, de rendre l'hommage et de rendre à César ce qui est à César aussi, à ces communards qui ont porté toutes ces idées-là.
et de vraiment porter ce travail de mémoire, voilà, qui encore une fois n'est pas forcément spécifique à Tournon, mais qui malgré tout a infusé et insufflé sur notre vie démocratique et communale. En échangeant, on amène forcément le devoir de mémoire qu'on doit. Alors après, on revisite un peu comme on veut l'histoire, hein, c'est toujours compliqué. Mais voilà, merci de cette intervention. Après, il y avait un dernier point, mais je ne voudrais pas trop m'étendre là-dessus parce qu'il est tard, mais vous m'interrogez sur le contentieux de certains riverains de la promenade Roche de France et l'investisseur qui s'appelle Bouvet sur un dossier. Je n'ai pas bien commenté moi les décisions de justice, hein, puisque le dossier qui avait été dans un premier temps déposé, puis qui avait reçu un avis défavorable de la commune, le premier permis, puis un deuxième permis qui a été redéposé, et les services de l'État ont favorable, notamment sur la partie inondabilité. J'ai même, après avoir reçu les plaignants expliqués, qui venaient de déposer un recours gracieux, j'ai même expliqué et souhaité qu'ils puissent avoir un échange avec les services de la DDT, ce qui a été fait. Ils ont reçu une réponse très, très circonstanciée, très explicative. Ensuite, effectivement, ils sont partis au tribunal administratif et le juge a déclaré par ordonnance la requête irrecevable. Excusez-moi, je ne veux pas commenter plus que ça, sinon on va rentrer dans le détail de beaucoup d'opérations. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a eu une orientation du PLU prise à un moment donné, après un rapport d'enquête publique où la commune n'a pas souhaité suivre complètement l'enquête publique de l'époque. J'avais souhaité, et ça a été fait, que soit à nouveau reconsulté ce qu'on appelle les personnes publiques associées après l'enquête publique pour qu'on soit vraiment sûr de la limitation du zonage. Et les élus de l'époque avaient souhaité même agrandir le zonage permettant la constructibilité du secteur. On rentre dans une période, quoi qu'il en soit. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin dans ce dossier parce qu'il est hyper compliqué, parce qu'il faut revenir 12 ans en arrière. Il y avait une orientation d'aménagement global sur le secteur qui a été cassée à l'époque par mon prédécesseur, pour laisser implanter un bâtiment qui s'appelle bâtiment A10, qui du coup a cassé l'intérêt public de l'opération, vous êtes urbaniste, vous savez de quoi je parle, et que du coup, ça a mis à mal, d'ailleurs ça a obligé la commune de rembourser l'acquisition qui avait été faite auprès de Madame Gué, ancienne tannerie. Donc on vient de très loin là, on aura l'occasion d'en rediscuter si vous voulez tranquillement, mais là je ne veux pas polluer le débat là-dessus, simplement, un PLU, il est approuvé. Par contre, un PPRI, il n'est pas pour l'instant approuvé, pas applicable, mais par anticipation, appliqué par le préfet. Donc, à partir du moment, et Dieu sait si on est gêné dans tous nos dossiers avec les PPRI, que ce soit au nord, au sud, voire même au centre de notre commune, là, il y avait un avis favorable. Écoutez, on a suivi l'avis. Hein. Oui, au-delà de cette question du risque inondation qui engage finalement plutôt votre responsabilité et sur lequel joue. Donc, seul juge, moi j'aimerais quand même avoir la position de principe du maire et de la majorité qui se défend aujourd'hui, et on le disait tout à l'heure lors du débat budgétaire, d'agir pour la transition environnementale, pour le cadre de vie, pour ces choses-là, d'avoir aujourd'hui un projet qui, certes, et je ne vous parle vraiment pas du cadre juridique, même si je sais qu'il est important, mais je vous parle du principe ce soir. Du principe d'aujourd'hui, avoir un grand bâtiment comme celui-là, de 5 niveaux, de 24 logements, qui est effectivement sur une parcelle qui est concernée en partie par un enjeu de préservation paysagère, à la proximité du Rhône. On va avoir d'une part ce paysage qui, même si effectivement, si on regarde le détail de la carte, va être plus ou moins préservé, mais en tout cas, il va y avoir ce grand bloc au milieu qui va finalement cacher les percées, qui va cacher les vues. Il va faire de l'ombrage aussi sur le camping, mais ça c'est peut-être aussi un autre sujet, et qui va par ailleurs sur le volet transition écologique, sur le volet amélioration des mobilités douces, va aussi se répercuter sur cette promenade Roche de France, sur plusieurs mètres, qui va l'ouvrir à la circulation automobile, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est quand même quelque chose qui avait été pointé dans le rapport d'enquête publique du PLU, certes, qui n'avait peut-être pas été suivi, mais aujourd'hui, je pense que dans les politiques publiques, quand on a quelques ambitions en cette matière-là, c'est quelque chose auquel on fait particulièrement attention. Et c'est pour ça que je tenais à soulever de nouveau le problème aujourd'hui,
C'est vraiment un enjeu de cadre de vie, de transition écologique. Et je suis désolé que ça ne semble pas être pour vous un sujet majeur. Non, c'est un sujet majeur. Mais voilà, je pense que c'est le moment de s'en saisir. Je vous ai dit qu'on a refusé le premier permis. Le premier permis avait un bâtiment supplémentaire à l'intérieur de l'espace naturel qui reste disponible, qui est une propriété privée, certes, non publique, mais qui reste disponible. On a refusé ce permis. Donc c'est bien qu'on a tenu compte du fait que les trois quarts du terrain restaient en site naturel, si je puis dire, inconstructible. Donc il ne faut pas dire qu'on n'a pas tenu compte de ça. De l'autre côté, on va être confronté dans les années à venir au zéro artificialisation. Vous le savez mieux que moi. Ça veut dire que reconstruire la mise sur la ville, ça a un sens. Ça a du sens. Et que quelque part, on ne peut pas prendre une orientation d'un pays qui engage la commune sur quelques années. Et je m'adresse plus aux anciens élus qui ont travaillé le PLU voici maintenant 3 ans, 4 ans, et le modifier toutes les 5 minutes. Mais je vais vous dire quelque chose, c'est que l'engagement primaire qui a été pris de constructibilité sur ce secteur, elle ne vient pas de ce PLU-là, elle vient de l'ancien poste, vous voyez un peu. Je ne vous parle pas de ce qu'il y a. Et quand on parle des 5 niveaux qui font toujours un peu peur, ils sont décalés par rapport au terrain naturel, ce qui fait qu'ils ne sont pas plus hauts que le bâtiment actuel qui est en place. Oui, mais ça, voilà. Je ne voulais pas entrer non, mais voilà. Donc, les questions de principe. Aujourd'hui, le permis a été accordé l'an dernier. Il est sûr qu'un prochain... C'est vraiment une responsabilité de la municipalité actuelle. Bien sûr, c'est toujours une responsabilité de la responsabilité. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais un prochain PLU, par exemple, qui sera très compliqué à bâtir. Je ne sais pas s'il se fera une révision en 2025 ou 2026 certainement. Devra tenir compte effectivement d'une difficulté qui chez nous qui sera très importante, hein. C'est un, le manque de foncier, deux, zéro artificialisation, trois, la reconstruction de la ville sur la ville. Donc ça veut dire qu'il y aura des grands choix environnementaux à mettre en place. Moi j'étais à l'époque de ceux qui souhaitaient que ce grand secteur, et je vous signale qu'en regard des PLU, on a aussi une partie sur la Tenriguet qui restait encore sur une orientation. Ce grand secteur puisse effectivement être en ouverture sur le Rhône. Mais en rien, cela contraint ce qui va être réalisé, si ça se réalise d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous avez un permis qu'il y a une opération qui se fait. Tous les permis n'aboutissent pas. Effectivement, mais en l'état, d'un point de vue environnemental. Voilà, donc sinon, moi je ne veux pas rentrer sur le domaine de la problématique juridique. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Qu'est-ce que vous m'avez demandé ? Non, c'est tout. Hein. Sur les enjeux environnementaux, sur la question des dépôts sauvages aussi en Lyon-Ville. J'ai cru voir qu'il y avait un article qui est sorti aujourd'hui, que j'ai pas eu l'occasion de consulter. Oui, les dépôts, il y a vraiment un constat. Si j'ai souhaité qu'il y ait vraiment une conseillère déléguée au cadre de vie et justement à cette problématique liée aux dépôts sauvages, c'est qu'on voit bien qu'il y a une accélération. Alors, est-ce que c'est Covid oblige ou pas, mais il y a quand même une grosse problématique. On a mis en place tout un cheminement, mais Nathalie Ira, ce serait mieux à même de moi de vous l'expliquer, mais où vraiment, à la fois, il y a une accélération de la collecte, par exemple, des corbeilles en centre-ville, il y a la mise en place de cendriers auprès de l'entrée des établissements scolaires, on a renforcé à nouveau les équipes de saisonniers, quand on va rentrer dans la saisonnalité pour la période estivale pour le nettoyage, il y a un tas d'actions en direction des déjections canines, et puis il y a toujours cette problématique liée aux dépôts autour des apports volontaires de matériaux liés à des gens qui sont d'ailleurs, que ce soit pas que les populations dites de l'Est, hein, il y a autant de Français qui déposent, et là je peux vous dire que depuis le début d'année, quand même la verbalisation est passée de 68 à 135 euros, hein, ça c'est la verbalisation nationale, et nous on rajoute 250 euros de factures municipales pour l'enlèvement des matériaux. Donc ça veut dire quelqu'un qui se fait prendre, et Nathalie, je crois que c'est grosso modo par semaine une bonne dizaine, pas loin d'une dizaine. On en est 8 en 15 jours. Ouais, 8 en 15 jours, voilà. On va finir par faire de la recette, hein, si ça continue. Vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est malheureux, hein, d'en arriver là. C'est malheureux, hein, mais voilà. Donc je peux vous dire qu'il y a vraiment une prise de conscience, d'une accélération de ces sensibilités par la commune, qui est un gros travail, ça pèse lourd hein, quand même, hein, puisque grosso modo, on va dire que le surplus doit peser pas loin de 100 000 euros hein, sur une année, rien que pour traiter les incivilités de nos concitoyens. Alors là, vous avez bien raison de poser la question, ça suffit.
Et s'il faut aller demain vous proposer une verbalisation encore supérieure à 450 euros, c'est ça ? 250 euros. Mais s'il faut aller à 450 euros, on ira. Hein. S'il faut vraiment... Alors ça n'arrivera pas tout, hein, parce qu'on voit bien que... on sait aussi faire la part des choses entre un conteneur qui est bloqué et malheureusement il y a impossibilité de mettre dedans, donc on vérifie avant de verbaliser, mais chaque fois qu'on trouve une étiquette, chaque fois qu'on trouve un repère, là c'est classique. Par contre, il faudra quelque chose, mais Nathalie, dans sa commission, aura l'occasion de vous en parler, et il y a un plan propreté qui va se mettre en place. Il y a aussi un travail qu'il faut qu'on fasse, parce qu'on amène un service aux commerçants qui aiment. Il ne faut pas l'oublier, avec les cartons. Gratuit. Pas l'oublier. Et il pèse 25 000 euros par an. Quand même le savoir. On a aussi, quand même, peut-être une réflexion à avoir auprès des personnes âgées, auprès des gens qui ne peuvent pas emmener à la déchetterie une cuisinière, un fauteuil où ça arrive, ça, effectivement. Et là, il faut qu'on mette en place un système qui permette d'appeler la commune pour qu'on aille chercher et évacuer plutôt que de laisser la pauvre dame, ou pauvre monsieur d'ailleurs, déposer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a aussi un travail qu'il faut qu'on creuse en commission. Oui, je compte sur vous. Oui, nous on sera prêts, je pense, à soutenir toutes les initiatives en ce sens, étant donné que c'est vraiment un fléau pour la commune, mais on est là, je pense, en tant qu'élu municipal pour agir et pas forcément pour stigmatiser telle ou telle population. Il y avait encore une ou deux questions que j'avais. Non, il n'y a plus qu'une. Il y en avait une qui concernait, on est absent sur la communication depuis un an, hein, pour c'est ça. Et c'est vrai. J'en suis le premier désolé, mais. Il y a deux raisons à cela. Effectivement, cette façon de travailler actuellement qui n'est pas agréable dans cette période-là. Et puis le fait que j'avais souhaité mettre en place, et c'est vrai depuis le début de l'année, quelqu'un à la communication qui a pris ses marques, qui est en train de réfléchir à la façon dont on pourrait effectivement évoluer, notamment et faire évoluer notre charte graphique. Donc il n'avait pas été pour l'instant orienté de bulletin municipal. Mais j'ai souhaité qu'il y en ait un qui paraisse, quoi qu'il en soit, au printemps, où seraient associés, bien sûr, les minorités, hein, il n'y a aucun problème, bien sûr. L'idée étant de pouvoir arriver à faire paraître deux bulletins municipaux par an, plus éventuellement des CNews et puis tout le travail sur les réseaux, hein, bien sûr. Donc, non, ce n'est pas une volonté de ne pas vous permettre de vous exprimer, même nous, on n'arrive pas à s'exprimer correctement, vous voyez bien. C'est News, je crois que c'est l'aglo pour vous. Oui, non, mais c'est News ou un autre nom, elle est très bien, celle de l'aglo. Les casquettes. Elle est très bien, celle de l'aglo, non ? Ah oui, mais ici, on est en conseil municipal. Mais voilà. Non, mais je vous dis, non, mais attendez, vous êtes un peu taquin, ouais. À 10h du soir, attendez. Je vous dis, bulletin municipal, voire CNews ou quelque chose qui peut paraître. Ou newsletter. Oui, CNews, c'est le nom de la newsletter, c'est pareil. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ces jeunes maintenant qui critiquent comme ça ? Hein ? Bon. Vous avez compris que, bien sûr, que la communication, voilà. Et puis en plus, maintenant, vous avez un délégué à la communication qui va prendre ça à bras le corps. Et évidemment que l'expression publique des oppositions sera maintenue dans les bulletins. Les sujets seront travaillés, proposés en commission, notamment. Voilà. Mais ma question portait au-delà, bien sûr, de la simple partie expression dans le bulletin municipal, mais vraiment aux messages qui sont passés au tournonnet et travailler avec vous, et la science à la disposition de toute l'équipe pour travailler les sujets et faire en sorte que les tournonnets trouvent toutes les ressources dont ils ont besoin dans ce genre de publication. Ok. Voilà, c'est tout. Si, il y avait le soutien à la famille tournonnaise actuellement menacée. Ah oui, j'ai oublié aussi, moi. Voilà, oui. Et ce sera tout pour nous ce soir. La famille en question que j'ai reçue et j'ai accepté de co-signer avec la députée un courrier en direction du préfet. Cette famille qui est bien connue des parents d'élèves de l'école du Quai, qui effectivement, cette famille est pénalisée, d'après ce que maintenant je viens de comprendre, c'est parce que le père a été expulsé à un moment donné. Et il doit bien qu'il soit revenu maintenant en France. Il n'a pas été comptabilisé, si je puis dire, en termes de ressources financières pour le couple, pour la famille, quoi. Et que la maman n'en a pas suffisamment pour permettre de justifier le fait qu'elle peut subvenir aux besoins financiers des enfants. Bon, j'ai bon espoir quand même que la rigidité, on va dire, ministérielle, hein, parce que quand même ça part de haut, hein, tout cela, peut-être sera assez clémente là-dessus, parce que ces gamins sont intégrés. On avait fait l'effort à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à la fin du dernier Bandai, il me semble,
où il y avait une famille qui était un peu dans le même cas, où on avait même reçu la jeune fille en stage chez nous, ici. Alors j'étais même prêt, moi, à aller défendre à la barre le jour du jugement, et puis finalement ça ne s'est pas fait parce que le Covid est passé par là. Mais bon, elle a pu pour l'instant rester en France. J'ai bon espoir pour quelqu'un qui parle parfaitement le français. Voilà. Après, l'histoire du papa, c'est autre chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui cloche dans ces dossiers-là. Quoi. C'est ça. Quoi. L'histoire du papa, je ne la connais pas suffisamment. Pour... Ceci dit, je les ai reçus pour les soutenir avec quelques élus. Florence Rose était avec moi, je ne sais plus qui est-ce qui était, Jean-Claude Basté. Voilà. Et qu'on remplira le contrat qui est celui, et donc du coup on le remplit, qui est celui d'interpeller le préfet sur le sujet. Quoi. Très bien. Merci pour cette voilà. initiative. Merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions diverses, j'espère qu'il n'y en a pas, c'est 10h05. Vous comprenez pourquoi je voulais le faire en après-midi, le débat. Je voudrais vraiment remercier donc MyTV. MyTV, c'est pas notre télé, hein, mais ça s'appelle MyTV, qui nous filme, puisque vous savez qu'en soirée, par un couvre-feu, on ne peut pas recevoir public, donc on est obligé de donner l'expression publique en direct auprès de nos concitoyens. Ouais. Oui. N'hésitez pas à les ouvrir. Voilà, merci, bonne soirée.